Alors. Ouh, il est déjà pareil. On va continuer, hein, on va continuer, on va continuer. On s'est quitté un peu brutalement tout à l'heure. On va continuer à. On va continuer. On va continuer. Hein. Oh, c'est dur la vie. On va continuer à voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a créé en amont. Ça veut dire qu'on a récupéré de l'aluminium, on a récupéré du fer en quantité, pas industrielle, mais en quantité industrielle pour le commun des mortels. Il me fallait du benzène. Tout est rempli là? Non, rien n'est rempli, hein, on est d'accord. Ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. Tout est vide. Ça c'est normal parce qu'on est en train de faire des trucs. L'objectif, c'est pas de sortir ces armes. L'objectif, c'est eux. Le laboratoire pharmaceutique. L'établi d'armes, que j'ai déjà donc j'en ai rien à foutre. L'établi de combinaison. Pharmaceutique, combinaison. Parce que le laboratoire de recherche, l'établi industriel, le poste de travail, l'établi d'armes, c'est bon. Okay. Établi de combinaison. Il me faut de la fibre et du cosmétique. Donc, on peut le faire tout de suite. Oh, ok, c'est pas là. Je suis sûr que l'on peut le faire tout de suite. Je suis sûr qu'on peut le faire tout de suite. Fibre. Et j'ai dit quoi? Cosmétique. Cosmétique, j'ai déjà vu une fois, mais pas là. Je pense que je l'ai vu dans ceux-là. Cosmétique, voilà. Donc, celui-là, on peut le faire. Pas du tout. Ah, parce qu'il me faut 3 sur 4 de commis. J'en ai pas assez. Ok. C'est pas grave, ça. Dans le sens que je vais aller en acheter avec du benzène. Parce que c'est juste ça qui me manque. Hein, du benzène. Allons chercher du benzène. Tout simplement. Plein du. Ah, c'est dur la vie. On va aller chez mon fournisseur préféré. Tac. Ça fait des allers-retours, hein, mais c'est la vie. Alpha du centre. Voilà. Paf. Quartier des commerçants. Bim, bim. Ça, c'est fait. On va là-bas. On va là-bas, on va là-bas. Benzène cosmique. J'ai rencontré tellement de gens intéressants en travaillant au centre de. J'ai tellement envie de te mettre une balle dans la tête, toi. J'ai le plaisir de vous annoncer que nos réserves sont maintenues à 90% ou plus. Nous aurons tout ce dont vous avez besoin. Ok, par contre, faudrait vraiment me vendre. Bienvenue chez UC Distri. J'espère. Alors. C'est trié par nom. Il y a suffisamment de benzène. On achète tout. Par contre, cosmétique, je sais pas ce que c'est. Ouais, évidemment, il n'y en a pas là. Ah merde. Ça a pas le bon nom. Bon, eh bien, revenez me voir si vous avez besoin. Je les ai pris sur moi. Faut que je recherche ce que c'est. C'est bien un truc peu commun. Ok.
Merde. Ah, c'est à cause de la clinique, non? Ouais, c'est à cause de la clinique. Ouais, c'est ça, c'est à cause de la clinique, ok. Il y a Valo, il y a quoi? Ah, Hopetown. On peut aller à Hopetown. Ok. On va aller à Hopetown. Voir ce qui s'y passe. On va voir si on peut acheter des trucs. Possiblement on peut vendre des trucs. Ok. Là c'est les rangers. Il y a Optotech. Il y a Base Défense. Je crois que je vais vomir. Moi aussi. Excusez-moi. Non, pas vraiment. Vous venez faire des affaires ou vous êtes juste ici pour passer le temps? Voici pour passer le temps. Je vous déconseille de voler. On négocie pas. Et si, il y a peut-être d'autres. J'ai pas commencé au top, vous savez. Je me suis fait cambrioler quelques fois. Je me suis même fait arnaquer. C'est triste. Alors maintenant, je vends que le meilleur. Et puis, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'armurerie sur ce caillou. Okay. Je vais vous dire que cet endroit ressemble à une décharge, mais le matos vaut le coup d'œil. On sent okay. Beaucoup de clients, il y en a pour tous les goûts. J'en ai rien à foutre. Quelque chose qui vous tente. Ouais, pareil. Il y a beaucoup d'armes, de trucs. Il y a même pas de trucs intéressants. Optech, je m'en fous. Ah, ça serait pas là qui est. Ah non, le stand. Merde. Hello. C'est juste un bar. Tiens, une nouvelle. On a un peu de tout. Qu'est-ce qui vous amène à Opta? Le stand est l'endroit idéal pour se détendre pendant que les gars du port s'occupent de votre vaisseau. Ok. Je vous préviens, ça peut vite déraper ici. J'en ai rien à foutre. Sortez pas votre arme et il n'y aura pas de problème. Ok. Dans ce cas, vous faites maintenant partie de mes clients préférés. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose? On ne vend pas que de l'alcool ici. Ah, c'est toi le généraliste. C'est pas le top du top. Ok, non, pas du tout, t'es pas du tout le généraliste. Ah, tu casses les couilles. Tu sers à rien, cette ville sert à rien. Hopetown ne sert à rien. Je me suis fait avoir. Bonjour. Je t'emmerde. Merde, y'a que les rangers, fais chier. Ok, Hopetown, ça sert à rien. Je voulais être sympa et en fait, ça sert à rien. Cheyenne, y'a quoi sur Cheyenne? Anomalie, ok. Ah non, c'est plutôt ici. Ah, mais voilà, Aquila City, ça peut être intéressant. À la recherche de matériaux dont j'ai besoin. Des matériaux que j'ai besoin. Faudrait, s'il a du benzène, je vais quand même en acheter. Et s'il a... Vous avez déjà vu des spatiales? Bon, je regarde si c'est créable. Vous feriez mieux d'acheter rapidement ce que vous voulez. Les rangers vont bientôt. Et si je vous montrais... Ressources. Cosmétiques. Bingo, 19. Ça, c'est bien. Tu peux pas... T'as pas du benzène aussi? Pas grave. T'avais ce que j'avais besoin et ça c'est bien. J'ai... Paraf.
Netherion. Je veux pas aller à Netherion, je veux aller à l'Olympus. Ok. Bim, atterrir. Ça, c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Ok. Tac, tac. Alors. Maintenant, on est bon. C'est très bien, ça. C'est exactement ce que j'ai besoin. Laboratoire pharmaceutique, tu vois. Je peux le mettre là. Si j'arrive à le mettre droit, visiblement. Voilà. Bim. Et l'établi de combinaison qui sera ici, donc. Voilà. Bam! Voilà! J'ai tous les établis. Ça, c'est bien. Seul truc que j'ai pas, c'est le constructeur, mais je m'en fous. Tableau des missions. Non, mais je m'en fous de tableau des missions. Ok. Ok. Ok, ça c'est tout bon. On va pouvoir faire ce que je veux. Dans le sens créer des choses. Par exemple, l'établi de combinaison spatiale, l'établi industriel, l'établi d'armes, l'établi... Oh, pharmaceutique, tiens. Qu'est-ce qu'on peut créer ? Ouah, rien du tout. J'ai rien du tout. Sédatif, agent... Ouais, à la rigueur, si, c'est des trucs dans les... Je peux avoir dans les... Pas sur moi, mais ici, tu vois. Je sais pas, je me rappelle déjà plus ce qu'il y a besoin. Hein. Des câbles zéro, par exemple. Lubrifiant. Bio-inhibiteur. J'ai vu des trucs comme ça. Adhésif. Acide animé, antimicrobien, agent métabolique, membrane, toxine, enduit, nutriments, ok. Hallucigenèse. Sédatif. Ah, j'avais des cosmétiques. Enduit. Ok, ça je prends. Faut que je fasse un de chaque. Pour avoir... Enfin, faut que je fasse, si je peux, un de chaque. Si c'est possible, évidemment. Enduit, j'en ai pas mal en fait. Hein. Ouais, mais c'est pas grave que je puisse pas. Ok. Là, je suis sûr, je peux faire beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, déjà ça c'est bien. Tablida. Ah ouais, attends, ça faut que je réfléchisse. Faudrait limite que je vide tout. Tout. Mais tu vois, ça je l'ai déjà fait. Je sais plus les trucs que j'ai pas fait.
Ici, j'ai fait des trucs, donc je sais plus. Ah oui, mais pareil. Là, c'est bien, mais il faut que je... Tu vois, il n'y a pas de mode. Donc, faut que je m'aide un mode. Là, il me faut des polymères. Ah, puis surtout, il faut mode de sac 3. Faut que je fasse des recherches. J'ai ce qu'il faut, mais il faut des recherches. Okay. Dommage. Ah, ça, je pourrais... Une protection balistique, je pourrais le faire. En vrai, une protection... Ah non, une protection balistique, je peux... Ah si, je peux le faire. Si je l'installais, tiens. Ok. Ça, je peux pas, parce qu'il faut le 2. Il faut vraiment, en fait, que je fasse des... Faut vraiment que je fasse des... comment dire... Des recherches, en fait. Je vais voir si je peux pas modifier mes armes aussi, mettre des trucs cool. Ça, j'ai déjà mis. Ouais, en vrai, le viseur laser, j'en ai pas besoin. Viseur de fer, je voudrais bien le changer, mais... Ouais, pareil, il faut des trucs pour la lunette... La lunette courte, il me manque quoi? Ah, il me manque du titane seulement. J'ai pas du titane quelque part? Ce serait marrant, ça. Du titane. Oh! Bingo. Tu vois, sur celui-ci, la lunette... Ah, la lunette courte. Juste du titane. Bim. Allez. Frein de bouche. Ah ouais, mais celui que je veux, je peux pas. Si, je peux. Du tir au juché. Ah, moi, je celui-là. C'est du tungstène qu'il me faut. Encore une fois, le tungstène. Titane et tungstène. Hein. Vraiment, titane et tungstène. Ah, du tantal. Tungstène, ouais, ouais. Titane et tungstène. Hein. Titane, en plus, là, je viens d'en prendre, c'est ça? Je viens d'utiliser tout mon titane. C'est ça? Tantal. Ten. Ah, titane. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Sur celui-là. Avec le frein de bouche que je veux. Yeah. Pourquoi? Mode de bouche 1. Ah mince. Attends, dans ce cas. Ah mais non. N'importe quoi moi. Arme. Mode de poignée de gros. Mode de bouche, pourquoi? Ah mais il faut création d'arme 1. Merde. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Vas-y. Ok. Comme ça, c'est fait. Ok, le reste est verrouillé. Mode de casse 1. Ah ouais, il me faut des polymères, mais j'ai pas de polymères. J'ai vraiment pas de polymères? Je peux regarder si j'ai des polymères. J'ai pas le choix, hein. Il faut
faut que je le fasse. Non. Hop. Non. Tac. Ok. Ouais, et là c'est la normale. Ok. Verrouillé, verrouillé. Extraction de ressources. Robot. Ah, décoration. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut pas que j'attende que ça soit dans un projet? Ouais, il y a des trucs, horticulture et tout ça. Oh, cuisine de vieux monde, je peux le faire? Ah non, il me manque du pain. Épices. Ah, traitements médicaux, en fait, je les ai. Ah, il me... Ah merde! Ah merde! Acide animé, j'en ai qu'un. J'aurais dû en acheter. Pas grave, pas grave, pas grave. Ah, c'est dommage, j'aurais pu le terminer. Pas grave. Donc, où j'en étais? J'ai plus. Non, j'ai dit que... Au final... Ah oui, je peux pas parce que il faut le mode. Ok. Canon long, laser, viseur, viseur. Ouais, ça me va. Ah, il a une crosse tactique. Interne. Haute sensibilité. Ouais, ouais, il me faut de l'iridium. Ok. La découpeuse, il n'y a rien. Et le... Il a tout. Allons voir. Attends. 90%, c'est ça? 9 sur 10. Ah, dommage, hein. Ils sont réduits de 40%. Mais en fait, il me faut surtout de monter de niveau pour pouvoir avoir ça, en fait. Ok. Il me faut... Au-delà de toutes mes conneries, il me faut des points de compétence. J'ai pas le choix. Alors, à part si l'aluminium et le fer servent à faire... argent, cuivre... Tiens, j'en ai jamais fait ça, je pense que... Oh tiens, je peux. C'est vraiment histoire de dire. De créer des trucs. Ouais, il n'y a pas de trucs. Mais je me rappelle plus ce que crée... Non. Oui. Hop là. Tac, tac. Ok. Quoi? Non. Merde. Non, non. Attends. Faut que j'aille chercher ce qu'il y a dans le vaisseau. Dommage que j'ai pas accès à... J'ai réellement pas accès à ce qu'il y a dans le vaisseau. Le vaisseau, il est à côté. Et avec toutes les facilités qu'il nous donne... Ouais. On n'est pas jusque là. Ça va pas jusque là. Pas exagéré. Okidoki, il me faut des points d'XP là. Faut... Enfin, il faut que je monte de niveau. Faut que j'ai des...
Faut que j'ai des points d'expérience à mettre. Pour pouvoir faire des mods, pour avoir de l'XP. Enfin, pour pouvoir avoir des défis et monter de niveau le truc. En vrai, je veux tout prendre. Ok. Hop là. Il y a juste ça en fait qu'il faut qu'il reste. Voilà. On va faire quelques missions hein, pour gagner des niveaux. Va falloir gagner des niveaux. Ah oui, je suis sûr. Là, ma limite, c'est les niveaux. C'est les niveaux, c'est les niveaux. J'ai pas assez de niveaux. Hop là. Il y a des trucs qui donnent 1 d'XP, tu vois, dans les... dans les fabrications, mais je sais pas si ça donne 1 d'XP éternellement. C'est-à-dire, est-ce que si j'en crée 2, j'ai 2 XP? Parce que sinon, j'en crée 99 et ça fait 99 d'XP. Et j'en suis encore au niveau où 99 d'XP, ça peut être utile. Ok. Ça va vite, ça va vite. Ok. Je vois qu'il y en a déjà 3 de plein. Oh là là. Non. Ah merde. J'ai dit quoi? Pourquoi un 6? Pourquoi c'est marqué 1 sur 6? Pourquoi c'est marqué 1 sur 6? C'est bizarre. 1 sur 4. Structure aluminium. Ouais, mais vas-y pour retrouver les trucs. Hein. Ne soit pas relié à tout. Ça m'arrangerait bien que les coffres soient rangés à tout. Est-ce que... Attends. Je peux en mettre un là, hein, c'est pas le problème. C'est pas un problème. Cast tenue, objet, combinaison, j'en ai à foutre, ok. Est-ce que je peux mettre des trucs? Non. C'est triste. C'est pas un espace de stockage. Ça, c'est dommage. Tiens, faisons par poids.
Ouais, tout ce qui est lourd, ça dégage. Ah non, mais il y a des trucs qui sont vraiment utiles. Je sais pas. Fromage. Mini sushi. Pack de lait, pack de... Ah, les packs comme ça, ils ont des... Ils ont des trucs un peu intéressants. Carottes, céleri, oignon, orange, prune. Par contre, ça, vraiment. On peut... Hop, ouais, bof, allez. Généralement, moins c'est lourd, moins... plus c'est utile. Parce que le jeu te dit, bon, bah, vas-y. Faut que t'en aies en masse, donc on te laisse. Voilà. Ok, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je veux? Oui. Je me rappelle déjà plus ce que ramasse. Tu vois, j'avais fait un premier avant-poste. Cuivre, nickel. Non, chlore, nickel, fer. Plomb, argent, platine. Ah, platine. Ah, platine. Platine et titane. C'est quoi le truc que je me suis dit il me faudrait? Je sais plus. Bon, déjà avoir des niveaux. Non mais de toute façon il me faut un niveau pour déverrouiller les trucs. Ah, cuivre. Mais tungstène là. Si j'en avais de moi-même, ça serait pas mal. Titane. Ouais, mais il y a plein de trucs. Je vais pas pouvoir tout avoir. Hein. Il va falloir vraiment que je me concentre. Mais titane et tungstène là... ça serait bien. Et donc là, sur celle-ci, j'ai dit qu'il y avait quoi? Aucun de ce que je veux. Il y a un peu de nickel, mais je sais même pas si je me suis installé sur un truc à nickel en fait. Y a quoi là-dedans? C'est de l'argent et du plomb. En vrai, il y a de l'argent et du plomb. Ok. Il y a quoi ici? De l'argon. Bon, l'argon, j'en achèterai. Pourquoi il y a un truc là? Il y a une vraie... il y a un vrai truc. Ah, il y a du cuivre ici. Or, cuivre, ouais. L'or... L'or, pareil, je pense que j'en aurais pas besoin de quantité astronomique. Je pourrais sûrement en acheter. Oh. Cuivre. Ok. Et sur celui d'à côté. Titane et tungstène que j'aimerais bien avoir. J'ai l'impression qu'il faut avoir aussi en quantité. Les autres trucs, je peux les acheter, je pense. Mais ces deux trucs-là, je pense qu'il faut que je les ai en quantité non négligeable. Wow. Ah ouais, il n'y a qu'une... Ok. Et il n'y a rien du tout ? Chlore et eau. Ok. Chlore. Plomb. Ok. Elle m'inspire pas confiance, je vais me barrer. Où est-ce que j'ai pas été et que je peux me dire, tiens, ça se trouve, il y a des trucs. Ah, je peux pas aller là. Ah, juste à côté, tiens.
Allez. Ah merde, j'ai pas de... C'est vrai. J'ai un peu exagéré. J'essaye de voir si je peux pas trouver du titane et du tungstène. Et une fois que j'ai trouvé ça... Oh merde, encore un truc où il n'y a rien, quoi. Wow. Ok. Wow, c'est loin, ça. Oh, il y a des trucs loin. Ah, il faut faire vraiment le tour. Hein. Après, je recommencerai à faire des missions. Tétale, parce qu'au bout d'un moment, faut avancer aussi un peu. Faut s'amuser. Faut savoir s'amuser, parce que les trucs d'avant-poste, j'ai l'impression que ça peut te bouffer du temps, mais d'une force. Ah, merde. J'arrive en plein combat, comme d'hab. Waouh, j'ai pas... Ça, c'est dans la réalité, mais je sais pas d'où ça vient. Attends, j'ai un bip bizarre. C'est bon, le bip bizarre ne venait pas de chez moi. Ok, j'ai pas le niveau pour eux, donc je me casse. Je peux quand même observer les planètes. Incroyable. Du fer, ok. Fer. Fer, F, ok. Wow, attends, il y a beaucoup de trucs là. Ok, pas ce que je veux. Merde. Radium, argent. Et bah. Ok. Ah ouais. Ibeterbium, et bah putain, ça vraiment, c'est bon à savoir qu'il y en a là, mais je pense que je l'achèterai plutôt que, vu le nom du truc. Cobalt, et bah merde. Il y a plein de trucs sauf ce que je veux. Hein. C'est quoi ça? Ok. Ok. Bien. Enfin, je dis ça bien, mais toujours pas trouvé ce que je voulais. Il y a quoi là? Ah! Tungstène, ok. Ouais, mais je vais pas faire juste pour du tungstène. Hein. Après, je peux venir juste en récolter. Fais voir.
Hop. Même si... Je sais pas ce qui se passe. Parce qu'en vrai, vu que le tungstène c'est... Ah non, c'est du 1, donc je devrais pouvoir le repérer. Uranium. Plomb, plomb. Chlore, chlore, uranium. C'est du W. Ouais, mais c'est sur place que je devrais pouvoir le repérer. Pas forcément... Ça va avec quoi? Ça va avec le plomb ou pas? Si je vais dans une pure truc de chlore, je le trouverai pas. Ça a l'air d'avoir la couleur plus du... Ah, quoique... C'est quoi, je vais atterrir en plein milieu du chlore et je vais voir si je peux trouver du tungstène. Mais de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de titane par contre. Mais bon, faut déjà que je fasse le test et après on verra. Après on verra, on verra. Ok. Ok, l'eau ici plane. Comme tu veux. Je vais tout droit. De toute façon, le but là, c'est vraiment de faire des tests. Oh, il y a une atmosphère. Attention aux dégâts de chute, il y a une atmosphère. Après, il y a un vaisseau qui débarque. Merde. Ah oui, qui dit atmosphère dit. Ok. Ouais, du plomb. Ok, c'est pas vraiment ça que je veux. Je trouve le plus rare avant le tungstène. Et bah. J'en prends, on sait jamais. Comme l'uranium. Pourquoi c'est W le tungstène? De l'eau, hein, vraiment. Ok. Salut, salut! Comment ça va? Alors, oh là! Ah! Du tungstène. Ah, mais j'en ramène que deux à chaque fois que j'en trouve, quoi. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Pyrozipane. De l'eau. Faut que je fasse gaffe à courir. Ah bah ça va. Ça, ça va. Bah oui, c'est vrai que toi t'étais dans le sous-sol. Donc ta chambre elle était dans le sous-sol. Donc ça passe nickel. Oh. C'est vrai qu'on est sur une planète gelée. On peut miner de l'eau. Rien là. Ouais, pas mal d'eau, pas mal d'eau. Ah. Ok, c'est toujours ça. Ouh, petit filon. Petit filon, petit filon sympa. Ok. Yeah, j'aime bien. Donc ça va, le tungstène, on en trouve pas mal en surface, visiblement. Ça me... J'aime ça. Donc on va pouvoir se barrer. On va pouvoir se barrer, on va pouvoir se barrer.
J'ai regardé les autres à côté, je sais plus. Ça, c'est juste... Ok. Où est-ce que je vais ? Ah, juste à côté, tiens. Quoi ? Non, mais c'est juste à côté, faut faire un détour de 200 millions de kilomètres, là ? Ah, c'est bon, je peux y aller direct. Ah, mais en plus, je peux voir déjà ce qu'il y a. Attends, c'est quoi, ça ? Le AR, ça peut être... Ah non, c'est bien de l'argon. Ok. Ah, mais il y a certaines ressources que je vois pas. Ok, donc... Oh, vas-y, unité... Attends, je repasse par Alpha du Centaure. Ah, quitte. Alpha du Centaure. Allez, mettre le cap, là. Quoi ? Qu'est-ce... Par quelle route il veut me faire passer ? Attends, Alpha du Centaure. Bah oui, si, c'est une route que je connais, vas-y. Vous entrez dans l'espace de l'Union ? Oui, mais je m'en fous de rentrer dans l'espace parce que je repars. J'étais juste pas... Je passais juste... C'est vrai que j'ai pas vérifié ce système. Ça se trouve, des fois... C'est juste sous notre nez. PB, c'est quoi PB? Ah mais c'est plomb, je suis con. Tungstène, platine tungstène. C'est presque ça. Moi, ce que je veux, c'est titane. Ouais. Plomb, nickel. Faudrait que je regarde le... Dans un panneau périodique, ce que c'est le titane. Ouh, ah, y a plein de trucs là. Quelle eau. Benzène. Benzène, ça peut être intéressant. C'est quoi N? N-I? Ah oui, c'est le nickel, tout simplement. Cobalt. Non, ça, j'y suis allé. J'ai déjà regardé. Cuivre, ok. Bon, moi j'ai fait le tour, il n'y a vraiment pas ce que je veux. Je voulais pas descendre. Ah si, je voulais descendre là. Étoile de Kepler. Ok, on y va. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. Ah mais j'ai pas d'éléments de contrebande. C'est bon, nous avons terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. Dommage, je me casse. Visiter 20 systèmes solaires. Bah c'est cool. Oh c'est juste une géante gazeuse, une géante rouge. Platine, plomb, nickel, aluminium, hélium. Ouais bof. Ah. Ok. Y'a rien. Ah mais c'est une géante gazeuse, désolé. J'avais pas vu. Contact du détecteur, j'en ai rien à foutre, ok. Oh purée. Il y a des choses ici. Argon. Ah mais c'est celui que je voulais aller. Allez, c'est parti. Et à l'infini et l'au-delà. Est-ce que je vais trouver mon titane? Ça, c'est la grande question. J'ai besoin de titane. En fait, j'ai pas besoin de titane maintenant. Mais je l'ai trop vu, je l'ai trop croisé pour pas... N-A. Néon. Oh, du néon! Est-ce que je peux le voir? Argon, argon. Oh mince, j'ai pas le scanner assez haut. J'ai hâte d'avoir un scanner un peu plus haut. Est-ce que en juste en atterrissant n'importe où, je peux récupérer un peu de néon? J'ai pas besoin de grand chose de néon, mais j'ai remarqué sur 2-3 trucs que je vais en avoir besoin.
Si je peux en récolter juste un petit peu, ça me ferait gagner du temps sur plus tard. De toute façon, c'est un truc rare, donc il n'y en a pas besoin des tonnes. Bon, après, il faut que j'arrive à en trouver, comme c'est rare. Ça peut être facile. Un jour, je comprendrai pourquoi t'es là. Mince. Allez, on va tout droit et on verra bien. Ah ouais, froid ambiant extrême. Ok. Ok, ok. Wow. Ah oui, j'arrive, je suis déjà à moitié mort. Non, ça c'est de l'argon. J'ai juste scanné. Oh. Ce serait cool du néon dès la première fois. Bim. Non, c'est de l'eau, évidemment. Évidemment. Oh. Ah merde. Ah, je sais pas comment on le récolte, ces trucs-là. Non, ça se récolte pas comme ça. Comment ça se récolte? Ouais, bien sûr, j'en ai déjà volé un. Les vaisseaux qui atterrissent, là, il y en a un, c'était le culte du grand serpent. J'ai tué tout l'équipage et je l'ai volé. Merde, j'ai jamais su comment on récolte ces trucs-là. Peut-être qu'il me faut un soudeur. Bon. Ah, dans ce cas-là, c'est pas grave. Je sais qu'il y a du néon sur cette planète. C'est bon à savoir. Oh, il y a enfin, c'est enfin ce que je veux. Oui, du titane. Du titane, du titane. Pourquoi je peux pas? Je veux aller sur cette planète. Il y a du titane et du tungstène. C'est la meilleure planète du monde. Enfin, c'est pas la meilleure planète du monde, mais c'est une planète dont j'ai besoin. C'est ça, hein, tungstène et titane. Oh, hein. Et l'europium, mais l'europium, je m'en fous. Par contre, ces deux tungstène et titane, c'est deux trucs que je peux pas repérer. J'ai pas encore ce qu'il faut pour le repérer d'en haut. Est-ce que je vais dans le secteur du plomb? On va aller dans le secteur du plomb, mais est-ce qu'ils sont pas plus proches de l'uranium? J'ai regardé dans un panneau périodique. C'est un panneau? On dit pas panneau, on dit tableau périodique. Tableau périodique des éléments. De quoi est proche le tungstène et le titane? C'est quoi? C'est W et TI. Ouais, c'est rangé par masse atomique, c'est pas rangé par lettre. Attends, c'est quoi? C'est W, j'ai dit. Ah, W. Le tungstène. Tantale. Rhétium. Il est où le TI? Alcalin. Ah! Tu vois, c'est des alcalins, titane et tungstène. Et le plomb. PB. PB. Le palladium. PB. C'est quoi? C'est des métaux pauvres, merde. J'aimerais bien repérer un alcalin. Mince, je peux pas encore repérer les alcalins de haut. Ce qui fait que je peux pas. Ah, et puis environnement extrême. Donc de toute façon, je peux pas poser un. Je peux pas poser une base ici. Bon, je vais aller dans une zone de plomb et je vais voir si je peux pas récupérer un peu de titane et de tungstène. Hein, c'est dommage que ça soit dans un environnement extrême. Après, sur une autre planète du système, ça se trouve, j'aurais pas ce problème. Je vais regarder les autres. Euh,
les autres. Mais en vrai, pour le titane, si c'est un truc que je peux pas repérer, ça me... c'est du niveau 2. Je vais pas pouvoir créer de... Attends, c'est TI, hein. Ouais, c'est TI et W que je cherche. J'ai pas regardé, là. Non, U. Ok, c'est une géante gazeuse, ça m'intéresse pas. Ok. Ouais. Oh, attends, celle-là, je peux pas savoir. C'est quoi le point sur la matière? C'est la rareté. Là, le bleu, bleu rare, violet ultra rare et jaune ultra ultra rare. C'est pas les noms exacts. Hein. Je crois que jaune, ça doit s'appeler exotique ou un truc comme ça. Mais c'est les raretés. Quand il n'y a pas de point, c'est commun. Et quand il y a du point, c'est rare. Ok, qui a celle ça? Est-ce que ça vaut le coup? Je vais voir si déjà je peux survivre sur la planète, parce que c'est une planète à truc extrême. Et en fait, j'ai envie de presque de dire... Oui, vous avez besoin de toute façon, faut que je monte de niveau. Donc faut que je fasse des missions. Ah ouais, j'arrive sur une zone titane. Le jeu, il me dit hey, hey, tu peux pas poser d'avant. Oh, si je peux poser. Non, tu peux pas poser d'avant-poste. Et alors, pourtant, qu'il y a une zone de titane juste là où tu peux, où t'es atterri. Hey, hey, c'est pas pour tout de suite pour toi. Connard de jeu. On est dans quelle zone? On est dans une zone de plomb. J'ai atterri dans une zone de plomb, c'est ça, hein? Ok. Alors, j'ai un calepin pour ce jeu. Parce que tout à l'heure, je voulais faire ma liste de courses pour faire mon avant-poste de ce que j'avais besoin comme matériaux. J'ai été chercher un calepin. Système. Era Erida Ni Planète Erida Ni V croix bâton X 5 6 7 7 C Erida Ni Final Fantasy 7, c'est... Ok, d'accord. Bah moi, si je mets pas ce que j'ai sur le système, ça sert à rien. C'est titane. Parce que je sais pas comment ça s'écrit ce truc-là de tungstène, et j'ai le chat qui a disparu. Et tungstène, parce que je vais en avoir besoin pour des... pour des modes, à un moment donné, je veux savoir où en trouver. Si je peux un jour. Non, les munitions, ça va. Les munitions, ça va. Ouais, j'ai remarqué ça avec... Alors, c'est avec... chaque problème, chaque jeu a ses problèmes. Diablo, je peux streamer qu'une demi-heure avec. Parce qu'après, ça... Pouf. Et... notre cher Starkfield rend le chat ultra lent. Voilà. C'est un problème mineur, je trouve. Je sais pas pourquoi. Ça le fait pas avec un jeu... avec un Pokémon émulé, par exemple.
Ça le fait pas avec Diablo. Chaque jeu a ses problèmes. Donc au moins, je sais où trouver du tungstène et du titane. Moi, ça m'arrange. On va juste explorer, voir histoire si je peux pas en récupérer de manière un peu plus en extérieur. Le truc le plus rare, je le trouve direct et ce que j'ai besoin est dans la roche et je peux pas construire d'avant-poste. J'adore. Bien. L'uranium. J'en ai pas vraiment besoin d'uranium. J'ai vu que j'en avais besoin sur quelques trucs. De l'eau. Ok. Je vais en récupérer de l'uranium. Ça me fera gagner quelques... Non, mais de l'aluminium, j'ai carrément... Ah, voilà, du titane. Les trucs, c'est que j'aurai du titane, j'en ai deux à chaque fois. Et dans les faits, il me faut... Il m'en faut des dizaines et des dizaines. Je vais en avoir besoin de dizaines et dizaines. Fais juste quelques trucs et après, après on va commencer une nouvelle série de missions. Et quand même, les missions Ryuji, là, autour d'une... Donc Ryuji, c'est une corpo, hein, c'est plus ou moins une corpo dans Cyberpunk. C'était tellement cool. Ouais, c'était vraiment, c'est vraiment une série de quêtes ultra cool. Le fait d'avoir le combat entre différentes grosses entreprises et tout ça. C'était une série de quêtes qui était vraiment super sympa. Donc on trouve de titane assez facilement sur cette planète. J'aime ça quand je pourrais faire des avant-postes sur des trucs, sur des environnements durs. Je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Faudrait que je puisse réatterrir au même endroit, mais je pense que le jeu sauvegardera pas l'endroit malheureusement. On va éviter les gaz. Je sais pas ce que c'est ça. En vrai, c'est juste à côté. Avant de quitter la planète, on va aller voir ce que c'est. Caractéristique inconnue. D'accord. Suite à plusieurs impacts resserrés. Ok. Bon, attends, dans... Il retourne dans l'espace. Youhou. Hop là. Ah, je peux peut-être juste finir l'exploration de la planète. Ce serait pas mal. Je suis à... Ah ouais, mais je vais peut-être devoir changer de biome pour les trucs qui me manquent. Ouh, du tungstène en pagaille. Eh, vraiment, tungstène et titane, ça peut être juste à côté. Mais c'est génial, ça. Ça veut dire que quand j'ai créé un avant-poste, je pourrais créer un avant-poste tungstène titane. Et ça, c'est cool. Ouais, il est trop loin. Il est trop loin. De l'eau. Oh, attends, c'est pas de l'eau ça. Ah, c'est du titane ça. J'ai pas monté de niveau. J'ai l'impression d'avoir monté de niveau tout à l'heure. Non, ouais. Ok. Aluminium, eau. Ouh, j'aime bien ça. Oh, du plomb, ok. Ah! Ah bah justement, tiens. Le plomb, je l'avais pas encore observé sur cette planète. Je sais pas ce qui me manque. Je sais pas ce qu'il faut que je cherche. Il manque visiblement un truc, mais je sais pas lequel c'est. Oh, titane.
Je prends titane. Je sais plus pourquoi j'en voulais, hein, mais c'est pas grave. Hop. Tac. Ça, je pense que c'est pour faire des mods. Ah oui, c'était un mod pour l'un de mes flingues fétiches que j'en voulais. Ouais, je me souviens. Bah, j'irai faire ça après. De toute façon, quand j'irai ranger les ressources. Par contre, je recroise plus beaucoup de titane. Hein. Avant, c'est à l'endroit où j'ai atterri, il y en avait. Hop. Tac. Mince, uranium, eau. Non mais vas-y, allez. Ah mais non, il me manque une recherche. Et je sais pas laquelle c'est. Attends, il y a quoi sur cette planète déjà? Ça je l'ai fait, europium, j'en ai eu au final. Titane, tungstène, j'ai l'impression d'avoir tout... Ah, j'ai pas croisé d'hélium 3, effectivement. Ah mais ça, Hélium 3, c'est simple, j'ai juste à atterrir dans un truc d'Hélium 3 et comme ça, ça sera bon. Mince. Wow. Hop. Tac. Et voilà, comme ça je vais faire la recherche et j'aurai exploré entièrement la planète. Enfin j'aurai... C'est pas exploré mais... Bref, on me comprend. J'aurais analysé toutes les ressources. Et bah voilà. Ah non. Ah mince. Ah c'est juste le sol, mais c'est pas... Ah bah tiens, du tungstène. C'est une blague. Ah, voilà. Tac. Et... Mince. C'est réglé. Analysée complète. Voilà. Et j'ai des dégâts respiratoires parce que je suis resté trop longtemps. Génial. Ouais, ça on s'en fout. Ah, j'ai ma certif en... Ok, mais comme d'habitude, je manque... Ah, il me manque une construction pour la progression des défis, merde. Ok, on s'en fout. Pour l'instant, faut juste que je soigne ma toux. Là. Ok, et je rentre à la casse-bas. C'est dommage, j'aurais bien aimé... Mince. Mince ! On fait exprès. Ok, ta-ta-ta, alpha du senteur, Olympus, voilà. Tic. Y'a quoi chez moi ? D'accord, pas des trucs que j'ai forcément besoin. Hop ! Je vais voir si je peux créer le truc qui me manquait. Je crois que c'était... C'était avec quelle arme ? Je sais plus. Dans the bloom. Cet homme ne sait plus. Les trucs de bouche, non. C'était pas pour ça. C'était pas pour le frein de bouche que j'avais envie. Ah mais il me faut le mode de bouche E2. En plus c'est de l'enduit qu'il me faut. Oh quoi que l'enduit je dois en avoir. De toute façon il me faut le mode de bouche là. Mince, laboratoire pharmaceutique, je m'en fous. Voilà. C'est pour les armes. Armement. Ah, mode de bouche 1. Il me faut création d'armes. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir commencé un truc que j'ai pas fini.
Ah, traitement médical. Ah oui, l'acide animé. Ok. Mais j'en ai pas. Bah, je sais plus pourquoi j'ai été forcément en mode il me faut absolument ce tungstène et ce titane. Bon, c'est pas grave. Ah, il faut les modes internes de toute façon et j'ai pas. Ah, il faut du néon, tiens. C'est pour ça que je me rappelais du néon. Ok. Peut-être là, établi industriel. Il y a peut-être des trucs qui, non, qui me faisaient envie, pas plus que ça. Allez, il me faut une dernière construction. N'importe quoi, et je prends n'importe quoi. Mode de sac. Attends, il faut des modes de sac, ok. Ah, c'est des trucs niveau 2. C'est des trucs niveau 3. Niveau 3. Niveau 3, ok. Ok. Et ok. J'ai pas une arme là-dedans. Hop. Ah, le soudeur, je voulais en avoir un sur moi, tiens. Savoir si tiens ça, ça sert à rien, faudra que je refasse une mince soudeur, on peut pas. Ah, on peut lui mettre un laser, ok, d'accord, et en mode interne. Moi, si j'avais assez d'iridium, je pourrais, mais je suis pas sûr d'avoir des d'iridium. Bon, pas grave. Non, mais laser, faut que je fasse une tantale. Ah ouais, mais il faut la recherche. Ça, je peux, mais j'ai pas d'argon. Est-ce que j'ai de l'argon? Oh, tungstène, j'en avais 25 là. Ah, j'ai de l'argon, cool. Ah, mais mince, j'ai pas pris l'enduit par contre. Il me faut de l'enduit aussi. Ça peut pas être rangé par ordre alphabétique ici. C'est pas du tout rangé correctement, mais c'est pas grave. J'ai dit que c'était sur quelle arme? Non! Heureusement que j'ai pas ce qu'il faut. C'est sur les freins de bouche. Voilà. Voilà, comme ça je pourrais passer au prochain défi facile. Enfin, je pourrais. Bref, je me comprends. Ressources. On range tout n'importe comment. Oh yeah. Je crois que tout est rempli ici. Tout est rempli ici, peut-être pas là. Voilà. Et en armes.
Ça je garde, ça je garde ça. Hop là, voilà. Voilà, on arrive à une masse correcte. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il me faut? Des points d'expérience pour débloquer des recherches qui m'intéressent. Parce que là, en vrai... Ouais, décoration, honnêtement, si je le recherche pas tout de suite, c'est pas grave. C'est surtout ça, en fait. Les modes là, mode cast et tout ça qui sont importants. Du plomb? J'ai du plomb dans l'aile? Ah, peut-être dans le vaisseau. Ah ouais, tiens, faudrait que je regarde le... La cale du vaisseau. Je l'ai pas vidé. Je voulais pas aussi faire... Ouais, pas grave. Faudrait du cuivre, des trucs comme ça. Et... Pas grave. On verra plus tard. On verra plus tard. Je sais pas s'il y a un niveau maximum. Ah, mais oui, j'ai plein de trucs, là. Attends. C'est vrai que j'ai récupéré quelques trucs. Ça sert à rien que ça reste dans la cale du vaisseau, je vais pas m'en servir tout de suite. Du fric j'en ai. Est-ce qu'on devient un criminel? Est-ce que je deviens un criminel ou pas? Est-ce que je fais d'abord la criminalité ou alors je fais autre chose? Oh, tout rentre. Très bien. Bonne question, bonne question. C'est la question à $1 million. Ça, c'est le moyen d'avoir du fric. Hein. Il y a moyen d'avoir du fric. Là, il y a divers trucs. Mentalité mafieuse. Ok. Mission que j'ai pas, activité, c'est quoi? Wow. Ok, plein d'activités. D'accord. Et ça, j'ai terminé. Sachant que je sais où trouver plusieurs factions, je pourrais commencer des trucs de factions, je pourrais trouver des trucs divers. Que je m'occupe de la flotte écarlate tout de suite ou pas? Est-ce qu'on plonge dans la criminalité? Bonne question, ça. Bonne question. Plonger dans la criminalité, c'est tuer des gens et c'est des points d'expérience quand même. Hein. Allez, on plonge dans la criminalité. C'est parti. Infiltrons la flotte écarlate. Allons sur Mars. Un Mars et ça repère. Tac. C'est body, c'est body. C'est toujours agréable de s'étendre à la lance. Ouais, si tu le dis. Vous voulez me parler? Bah non, je veux pas te parler. On a des tas de choses.
N'hésitez pas. Ouais. Je savais pas que ici il y avait des trucs qui pourraient m'intéresser, ça se trouve. Bon, bref. Si t'es là pour acheter ou pour vendre, va voir Octaï. Je suis occupé. Wow. Et par sensible, j'imagine que tu veux dire quelque chose sur lequel la police de Lucé ne doit pas tomber. Non, je vais pouvoir t'aider avec ça. Qu'est-ce que t'as pour moi ? De l'aurore, hein ? Sympa. Mais trop dangereux à écouler. Quoi d'autre ? Quoi ? La seule chose que je vais te donner, c'est un coup de pied au cul si tu te casses pas d'ici avant que Lucé réplique. Oh. Évidemment, si tu parles de m'offrir une commission, je pourrais faire une exception. Ah bah voilà ! 1000 crédits. Allez, on va prendre la facilité pour le début. Je viens tout juste de me rappeler qui pourrait te soulager de ce truc. Oh, c'est sympa. Un de mes potes est avec la flotte écarlate. Il se fait appeler Adler Kemp. S'il est pas déjà bourré dans une poubelle, tu le trouveras en train de noyer ses derniers neurones à la lance brisée. Eh ben, allons à la lance brisée. C'était un plaisir de faire affaire avec toi. Ouais, ouais. Ça m'a coûté 1000 balles quand même. Bon, je suis riche, mais quand même. Un bar qui a l'air fort sympathique. Allez, c'est toi ? Si t'es pas là pour me resservir un verre, tu peux repartir direct d'où tu viens. Wow, on se calme. Ça te dérangerait de crier plus fort ? Je crois qu'il y a encore un ou deux gardes dans Sidonia qui n'ont pas entendu. Ah bah attends, j'y vais. Hein. Ok, ok. Bon. Je crois qu'on peut t'aider avec ça. Ah. Si t'as vraiment toute une cargaison de ce truc, va falloir que tu l'écoules vite. Mais d'abord, va falloir que tu fasses quelque chose pour nous. Toujours. Pas de problème. Pas de fioritures, direct à l'essentiel. Ça me plaît. Bon, ouais. Maintenant, écoutez bien, parce que je compte pas le répéter. J'ai besoin que vous vous occupiez d'un mineur qui a accumulé des dettes. Ok. Il a sûrement tout claqué dans la gnôle et on peut pas lui en vouloir. Et bref, je veux récupérer cet argent. Pas de problème. T'attends quoi de moi au juste ? Que je t'écrive un mode d'emploi ? Je m'en fous que tu réveilles la moitié du voisinage. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon fric. Et que ce mec se rappelle qui il a essayé d'arnaquer. D'accord, d'accord. Non, mais je viens d'une mission où j'avais pas le droit de tuer des gens, alors... Parfait. Il s'appelle Carl Fielding. Tu devrais le trouver en train de glander près du quartier des mineurs de Deimos. D'accord. T'inquiète pas, tu pourras pas le rater. C'est le mec qui a l'air le plus paumé de tout ce trou paumé. Eh ben, allons-y, là. Ah, ce klaxon d'avertissement. Merde, j'ai réussi à aller dans les toilettes, moi. Par où c'est la sortie ? Ah, par là. Alors. Le mec le plus paumé du coin paumé. Ça doit être simple. Seuls les mineurs ont le droit de s'approcher du sixième cercle. Si vous ne faites pas, attends. C'est par là ? C'est par là ou c'est par là ? C'est quoi ton truc ? Quartier résidentiel. Ah. Avez-vous planté des choux à la mode de chez nous ? Ok. Oh, waouh ! Oh, c'est génial la vie sur Mars. Trop cool. Trop trop cool. Bref, dis-moi tout. Je peux vous aider ? Oui, tu dois du fric. Adler Kemp. C'est qui celui-là ? Oh là là, mec. Non, fais pas ça. Oui, oui, vous avez raison. Adler n'est pas du genre à laisser tomber. Voilà. N'est-ce pas ? Oui. Je lui ai dit que je le paierai la semaine prochaine, quand Deimos nous donnera notre prime d'intéressement. Je lui apporterai l'argent en personne. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, il n'a pas vraiment le choix. Ouh. Écoutez, j'ai pas le moindre crédit sur mon compte pour l'instant. On peut pas faire cracher du sang à une pierre. Oh, hein ? Tu me connais pas, toi. Oh, oh, oh.
Quel jeu? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? J'ai pas l'argent. Gnarc, gnarc, gnarc. Ah, je m'en fous. Ok. Quoi? Oh mon dieu, vous pensez qu'ils sont prendraient soit d'autant. À cause de moi? Oh non, j'avais jamais pensé à ça. Et au moins tout con. Dites à Adler que je suis désolé d'avoir essayé d'éviter de rembourser. Mais j'avais pas vraiment le choix. Ouais, ouais. Et ben voilà. J'adore ça le message d'avertissement. Cette unité n'est pas conçue pour avoir une conversation agréable. Incroyable. Incroyable. Alors, je dis qu'il a pas remboursé et je garde les 3000 pour moi. Ouah, je suis pas à 3000 près. On va essayer de se mettre dans les petits papiers de la croisière écarlate. T'as quelque chose pour moi ? Toujours ? Regardez-moi ça. Je savais que ce poivre gardait son argent. Ouais, ouais. Il va encore poser des problèmes ou il a compris le message ? Il a compris le message. Bien, bien. T'as du talent pour ça. Foutre la pression à des moins que rien te vient naturellement. J'aime ça. Bon, je peux foutre la pression à n'importe qui. T'aimes ce genre de boulot, je peux t'en donner plus. Bien plus. Tu penses arriver à travailler avec mes associés ? Bien sûr. J'aime cette phrase. Excellent. J'adore ton style. Très bien. Je vais essayer de joindre Naïva Mora. Elle est juste en dessous du grand chef. Oh. Pour Europe. Tu la retrouveras là-bas. Je te conseille de bien écouter tout ce qu'elle te racontera. Eh ben, c'est parti. Et je me suis occupé de ta cargaison d'Aurore. Dépense pas tout ton fric au même endroit. 7000 seulement. Eh ben, la drogue, ça rapporte plus autant qu'avant. Hein. Alors, par contre, ça y a un niveau de gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Ah purée, les scans de la... Les peu communs en surface, ça peut être utile. Hein. Mais, combinaison spatiale ou création d'armes? J'ai une combinaison spatiale qui attend. Elle a de bonnes stats de base, il lui manque plus que je mette des modes dessus. Fabriquer 5 combinaisons spatiales, casque ou mode de sac à dos. Fabriquer 5 combinaisons spatiales, je peux carrément fabriquer directement des combinaisons spatiales, c'est où? Ok, bon on verra plus tard. De toute façon je verrai après quelques niveaux. J'ai d'abord débloqué, j'ai dit les 3 premiers champs de niveau, de toute façon c'est ces niveaux là, donc voilà. Ok. Ah ouais? Vous pouvez scanner toutes les planètes et lunes de ce système et vous avez 10% de chance de découvrir un trait. Ok. Ça sert à quoi les traits? C'est ça les traits? C'est-à-dire que je peux découvrir des traits directement sur les planètes et les avoir au niveau 1? Il y a des trucs qui sont à... Qu'est-ce qu'ils appellent un trait? Ça me... Mais de toute façon, je sais ça. Ah, c'est pas ici qu'on construit les meilleurs modules. Habitat. Ah. Ok. C'est ici. Je sais pas ce qu'ils appellent les traits. Est-ce que dans l'aide... De toute façon, il faut... Voilà. Option. Non, aide. Ça a l'air d'être rangé par ordre alphabétique. Trait. Ah.
D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Donc les traits, c'est bien autre chose, ok. Direction Europe. L'objectif, de toute façon, là, ça va être Europe. Voilà. Eh bien, regardez qui finit par avoir... Bon, l'as des as. Adler a dit que t'es assez ok pour rejoindre notre équipage ? Ouais. Ok. Donc avant de te mettre au boulot, mettons les choses au clair. Les choses claires. Je sais pas si Adler l'a mentionné, et dans son intérêt, j'espère que non. Mais t'es pas sur le point de signer avec un équipage pirate standard. Mmh. Tu t'apprêtes à signer avec la flotte écarlate. Enfin, si tu te débrouilles bien avec la petite tâche que j'ai prévue pour toi. Vas-y, dis-moi. Il y a un vaisseau de ravitaillement médical, le Ragana, mmh. qui va se retrouver en orbite autour d'Encelade. À bord de ce vaisseau, tu trouveras un traître du nom d'Austin Rake. Cool. Tue-le. Ce sera fait quand Rake aura cessé de respirer. Oh là là. Reviens ici quand t'auras fini. Et me fais pas attendre trop longtemps. Ok. Ok. Alors. Bon, ça va, ça reste dans le système solaire. On reste dans le système solaire. Hop là. Ici Dimitri Moldavski, pilote du Ragana. Ouais. Nous sommes un simple vaisseau de transport se dirigeant vers nouveau départ. Nous ne voulons pas d'ennui. Très bien. Et quelles sont vos intentions concernant cet homme ? Oh, pas les meilleures. Ah. Je peux le faire passer pour mort ? Ça commence à être intéressant. Eh ben, en temps normal, je refuserais. Mais franchement, c'est sans doute mieux cette fois-ci. Très bien. Vous pouvez vous amarrer. On discutera ensuite. Ok. Ça m'arrête, ça m'arrête. Désolé. Faut pas oublier que je suis sous couverture quand même. J'ai pas à faire tous les trucs horribles qu'on me demande de faire. En théorie, je travaille pour les policiers. Hein. C'est quand que tu quittes ton vaisseau, toi ? Ah. T'es où, mec ? La frontière, hop là, voilà. Soyez pas dents, soyez pas à cran. Je sais pas trop quoi penser de votre présence ici. Si vous aviez voulu nous tuer, vous auriez pu faire ça de votre vaisseau. Ouais. Si vous aviez voulu notre cargaison, nous aurions pu l'abandonner. Ouais. Je suppose que je ferais mieux de la fermer et de vous laisser parler. Ouais. Oh, c'est méchant ça. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous souhaitait cacher vos véritables intentions. Voilà. Et si vous voulez bien nous dire de quoi il s'agit. Alors. Quoi ? Waouh ! Austin Rake est un pirate de la flotte écarlate. Tuez-le et je vous laisserai partir. Ok. La flotte veut la peau de Rake, mais je veux résoudre cette
Ah putain, j'aurais dû sauvegarder avant parce qu'il y a certains trucs que je voudrais tester. Attends. Mais je travaille pour les flics. Je travaille pour les flics, je travaille pour les flics, je travaille pour les flics. Vous savez vraiment pas lequel d'entre nous est Rake, pas vrai? Bah non. Et ça n'a pas l'air de vous déranger. Ce qui me fait penser que vous voulez vraiment le sauver. Bon, j'ai une idée. Nous pouvons effacer son nom du manifeste, faire croire qu'il est jamais monté à bord. Non, non. Ensuite, une fois amarré, nous le laisserons à bord et l'emmènerons vers un autre port. Non, 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 non. Remettez-le au système DEF. Si la flotte a vent de cet accord, on est tous en danger. Je comprends. Nous préférons ne pas nous frotter à la flotte. Est-ce que ça vous va, Austin? Est-ce vraiment le choix? Il semblerait que non. Bien, marché conclu. Vous retournez sur votre vaisseau et nous prétendrons que Rake n'a jamais été sur le nôtre. Et si jamais vos commanditaires remettent votre parole en doute, tenez. Nous avions une caisse de matériel en plus au cas où l'une serait endommagée. Ça devrait leur prouver que vous n'étiez pas là pour négocier. Ok. Moi, ça me va. Faut pas oublier que je travaille pour les flics. Ça va être long, cette mission. Tiens, bonjour. Hop. Voilà. Parce que là... Ok. Et ça, ce sera pas pour tout de suite. Ça, d'abord, on fait entretien avec le droit et on verra après. Faire la flotte écarlate, je suis pas sûr que ce soit ma meilleure idée. Mais ça peut être très amusant quand je vais tous débuter. Si je me fais prendre, évidemment. Oh, ça se trouve, au bout d'un moment, on participe à un assaut commun avec les forces de l'ordre, ce qui peut être assez cool. Ces putains de mercenaires comprennent vraiment rien. Quoi ? Hey, Bullseye, tu veux venir t'entraîner au tir sur cible mouvant ? Ouais, pas de problème. Même si mon vaisseau est pas le plus... le plus puissant du monde, je dois l'avouer. Ouais, ouais. Ah putain. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas. Forcément ultra. Ultra monté. C'est la puissance de mon vaisseau. Hein. Ok, en moins. Hop. Voilà. C'est bon ? Eh bah, ce sera bien. C'est un peu la merde, mais... Globalement, je m'en sors bien. Et ça fait deux vaisseaux en plus d'éliminer. Ce qui va me permettre de... d'augmenter tout ce qui est... Non, merde. Ok. Hop là. Va falloir vraiment que j'augmente la puissance de mon vaisseau parce que vraiment, au niveau des combats spatiaux, je suis pas très bon. Par contre, j'en ai pris deux, je pense, là. Quoi ? D'où ça a pas progressé? J'en ai détruit au moins deux là, j'ai même eu de l'XP. Pourquoi ça a pas compté? Ah, je suis dégoûté. Parce que c'était un truc scripté, donc ça a pas compté, c'est pas juste. Comme il y avait trop d'alliés, ils considèrent que... Je trouve ça dégueulasse. Considère que c'est dégueulasse.
prochain astroport, j'augmente le niveau de mon vaisseau. Parce qu'au final, j'ai des meilleures armes, j'ai une meilleure protection, mais j'ai toujours pas un vaisseau qui a augmenté. Au final, j'ai rien amélioré sur mon vaisseau, et je pense que là, pour les missions Eclipse, il y a des chances que ça me porte préjudice. Et ça, c'est mauvais. En vrai, limite, je pourrais prendre le vaisseau que j'ai conquis la dernière fois, et je pense que niveau... Ouais, mais non. Non. Hop là. Merci du coup de main contre l'éclipse. Je gérais la situation, mais c'est clairement aller plus vite une fois que t'as foncé dans la mêlée. Bah ouais, comme d'hab. Parle-moi du Ragana. Donne-moi de bonnes nouvelles. Et on pourra. J'ai pas ça. De bonnes nouvelles. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Tu sais quoi ? J'en ai pas la moindre idée et ça me gonfle profondément. Ok. Je suppose que j'ai dû énerver ou escroquer quelqu'un par le passé. Mais ça fait tellement de gens que j'ai perdu le compte. D'accord. Pas de problème. Sans deck. Ça va faire plaisir à Delgado, vu qu'on n'aura pas eu à se salir les mains. J'aurais préféré que tu laisses pas de témoins, mais au moins t'as fait le boulot. Enfin bref, tu voulais entrer dans la flotte écarlate ? Eh bah, tu y es. Yeah ! C'est aussi simple que ça. J'espère que cette petite histoire avec Rake t'a appris quelque chose, parce que je vais me porter garante pour toi. Ouais, si je trahis, j'ai intérêt que ça soit une taupe de la police qui me poursuive. Je te conseille de mettre tes conneries de côté avant que je change d'avis. C'est pas une connerie. Tu connais ton sort en cas de problème. Il est temps de voir ce pourquoi tu as signé. Yeah. Je vais te filer les coordonnées de notre quartier général dans le système Krix. Les spatiaires l'appellent la clé. La flotte l'appelle son foyer. Ok. Va là-bas dès que tu pourras. Ne me fais pas attendre. Ma question est, est-ce que je vais chercher ma contrebande ? Parce qu'en vrai, si je vais chercher ma contrebande, ça peut être intéressant. Pour le vendre là-bas. Faut juste que je les contacte ou... Ah, faut que je monte à bord du Vigilante. S'ils veulent. Je trouve qu'ils se prennent un peu là trop la tête. Hein. On pouvait faire ça par radio. Hein. Pour leur expliquer que je vais à la base de la Rose Écarlate. La Flotte Écarlate. Hop, putain. Le commandant Ikande veut vous voir. Suivez-moi. Suivons-le. J'ai un ami à bord du Ragana. J'espère que je pourrai le voir la prochaine fois que j'aurai une permission. Ok, si tu veux. Ça m'intéresse pas. Les pirates dans toute la galaxie. Hop là. Oui. Quoi ? Eh, hey, j'ai géré la situation d'une main de maître. Le Ragana nous a contactés concernant Austin Rake. Nous l'avons fait débarquer à un autre port discrètement. Yeah. Inutile de dire qu'il va avoir beaucoup de comptes à rendre. J'ai risqué ma couverture pour le faire, alors j'espère que vous avez apprécié le geste. C'est un peu arrogant. On va passer pour le gentil. C'était intelligent de votre part. Altruiste et créatif. Nos agents traditionnels sont parfois un peu trop rigides, parce qu'ils ont été entraînés à suivre les ordres. Oh, une dernière chose avant de passer à la suite. Dans un souci de transparence, sachez que c'est nous qui avons recruté l'Eclipse pour attaquer le vaisseau de Naïva. Cool. Après ce qui s'est passé sur le Ragana, nous avions peur que vous rencontriez des difficultés à gagner sa confiance. Venir à son secours a joué en votre faveur, j'espère. C'est vrai. Ça
C'est des mercenaires. Si on les payait suffisamment, l'Eclipse s'attaquerait aux vigilances sans y réfléchir à deux fois. D'accord. Ça n'a pas été très dur de les convaincre d'attaquer un vaisseau isolé de la flotte écarlate. Juste coûteux. Mais un pari qui a payé, j'espère. Ouais, d'ailleurs, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naïva? Vous avez pu rejoindre la flotte? Bien sûr. Alors ça a fonctionné. Vous en êtes. Tout se déroule comme prévu. Oula! Bien. Passons pas jusque-là. Suivant de la mission. Nos informations sur Sersha étaient correctes. Après avoir reçu les rapports de votre interaction avec Adler Kemp, nous avons suivi votre rendez-vous avec Naïva Mora. Mm-hmm. Nos dossiers indiquent qu'elle est second. Se la mettre dans la poche, c'est se faire une place dans la flotte écarlate. Savez-vous de Maeva? Cette femme a un casier long comme mon bras. Je me doute ça. Elle a commencé jeune parmi les rats des rues de Néon et s'est creusé la place de commandant en second. Pas mal. Elle est très influente, alors ne la sous-estimez pas. Ok. Bon, bah tout se déroule comme prévu alors. Vous avez passé le premier test et vous y avez survécu. Bien sûr. Mais avant qu'on soit trop confiant, ça veut soit dire qu'elle suspecte rien, soit qu'elle se servira de vous pour faire un exemple. Pas bête. N'oubliez pas qu'il s'agit de criminels sans foi ni loi, alors ne baissez pas votre garde. Et leur cruauté n'a d'égal que leur roublardise. Je vous conseille la prudence quant à votre degré d'intégration présumé à la flotte. Alors, que vous réserve Naïva pour la suite? Le QG. Ah, je peux mentir pour jouer triple ou quadruple jeu. Oh là 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 là. Il y a moyen, ils nous donnent la possibilité de jouer quadruple jeu, triple jeu. Être agent infiltré de la flotte écarlate, de la police envers la flotte écarlate et de donner des infos à la flotte écarlate sur la police. On peut jouer le jeu qu'on veut en fait. Ok, mais je vais jouer avec les flics. Comme j'ai joué Corpo tout à l'heure, je vais jouer avec les flics. Où vous rencontrerez aussi Delgado, c'est sûr. Delgado est le chef de la flotte écarlate. J'ai son profil là, avec quelques informations sur son passé. Cool, je prends. Vous devez connaître la moindre habitude de chaque membre de la flotte, mais surtout de Delgado. Quoi qu'il en soit, maintenant que vous êtes avec la flotte, vous opérez sans nous. Nous allons vous suivre, mais en gardant une certaine distance. Surtout pendant que vous serez sur le... Il y a intérêt, mon gars, il y a intérêt. Cela nous donnera aussi le temps de renforcer nos défenses, au cas où il faille affronter la flotte à l'avenir. À ce sujet, monsieur, devons-nous lancer l'amélioration de nos boucliers? Ouais. Immédiatement, lieutenant. Informez les ingénieurs et passez l'information à l'équipage. J'espère que votre intégration à la flotte a fait disparaître vos derniers doutes concernant votre mission. Vous avez bien augmenté nos chances de réussite. Merci. Continuez comme ça. Nous attendrons vos rapports. Rompez. Bon, on va faire sombrer la flotte écarlate et on va jouer avec les flics. Je suis pas sûr que ça soit, en termes de récompense, que ça soit le mieux. Mais... j'ai joué Corpo tout à l'heure, donc on peut dire méchant. J'ai même dit que j'ai même validé la fabrication du neuroforceur. Donc cette fois-ci, on va jouer, on va être sympa. Même si je pense que jouer flotte écarlate, ça doit donner des récompenses qui doivent être pas mal. Hein. Dont, je pense, des petits trucs en technicien ou en combat qui doivent être assez intéressants. Ou même, oh, ça se trouve, ça permet de débloquer directement furtivité ou voleur, un truc comme ça. Ça peut être cool, hein. Mais bon. On va pas se précipiter, ça sert à rien. Faisons les choses dans l'ordre, tout simplement. On va pas jouer triple ou quadruple jeu, on va être avec les flics. Le but, faire tomber la flotte écarlate. C'est officiel. Je savais pas trop dans quel but j'allais me donner dans cette aventure, enfin dans cet arc narratif, mais c'est décidé. Nous ferons tomber la flotte écarlate en essayant d'épargner le plus d'innocents possible. Et ça, c'est ça le plus dur. Hop. Sachant que Eclipse ne sont absolument pas innocents. Hein. Va falloir que j'améliore mon vaisseau aussi. Parce que s'il y a des combats spatiaux à faire plus souvent dans les missions écarlates. Ah ouais, mais je voulais aller sur la clé. Non, est-ce que je passe chez moi
Oh. Ah ouais, c'est ultra loin. Donc de toute façon, je vais être obligé de passer par Olympus, je pense. Parce que je veux récupérer ma contrebande, parce que je pense que là où il y a les... c'est évident, hein. Mais là où il y a la flotte écarlate, il y a des, il y a des vendeurs qui n'hésiteront pas à me prendre ma contrebande. Et si je peux transformer la contrebande en, en fric, même si ça me fait une dans un sens, ça me fait une réserve de fric. Hein. Il est là, et si un jour j'en ai vraiment besoin, je le revends. Mais si je peux commencer à l'écouler un peu, peut-être pas les parties de robots. Ça a l'air de ce qui est à vouloir le plus cher et ça vaut peut-être le coup d'attendre d'avoir l'occasion de, d'augmenter mes stats. Non, c'est pas ça. La contrebande, c'est où? C'est le dernier. C'est celui-là. Voilà. Ça, par exemple. Ça, ça. Ça et les autres trucs. Je vais les garder pour l'instant. Parce que rien que ça, je pense que ça va aller... C'est quoi, dans divers, hein? En valeur. Ouais, 16 000, 15 000, 15 000, 14 000. Ça vaut bien bien du fric. Si je peux le vendre au sujet de la flotte écarlate, ça m'arrangerait. Par contre, j'ai intérêt de faire gaffe. Si je fais ça, j'ai interdiction d'aller dans une zone chez... comment dire... Sur une planète. Hein. C'est un coup à me les faire confisquer, c'est beaucoup d'argent là. Quelque chose ne va pas ? Ah, j'avais ça aussi. Bon, pas grave. Alors, 85 sur... c'est bon. Hop. Tiens, on va le ranger par valeur, comme ça je sais que c'est là. Hop là. Oh attends, j'ai pas... ok. Les notes. Attends, de toute façon... dans mes notes, il n'y a pas récent. Il y a des notes qui valent du fric. Ah, c'est des données planétaires. Et les données planétaires valent du fric, évidemment. En poids, par contre, ça vaut rien, ok. Ah, les données planétaires, je peux les revendre. D'accord, faut que je sache à qui je les revends aussi. Faut que je regarde à qui je peux revendre les données planétaires. Si ça vaut vraiment du fric... Arthur, c'est lequel? Non, c'est pas... D'Alex? Ah. Ah, voilà. Profil de la flotte écarlate. D'accord. Ok. Intéressant. Ah, c'est lui le chef. Originaire d'une famille aisée d'Aquila City, Delgo est quand même tombé dans le crime dès son plus jeune âge. Ses parents l'ont exilé dans l'espoir qu'il corrigerait son comportement, ce qui n'a fait que renforcer ses penchants criminels et accumuler par le vol d'un vaisseau cargo dont il s'est servi pour rejoindre la flotte écarlate. Delgado est un leader perspicace et intelligent qui n'est pas porté sur le jugement hâtif. Il dirige la flotte écarlate d'une poigne de fer, mais donne aux pirates suffisamment de liberté pour qu'ils fassent ce qu'ils font le mieux. Incendiaire, ok. Personnalité incendiaire, d'accord. Est né et grandi à Néon, rapidement devenu orpheline, elle a passé la majeure partie de sa jeunesse à se faire arrêter pour des crimes allant de l'agression au vol qualifié et a ainsi souvent été pensionnaire de la prison de Sisdef. À 22 ans, elle s'est embarquée clandestinement dans un cargo vers Aquila City. Elle a fini par être recrutée par la flotte écarlate. Selon les nouvelles informations réunies sur la flotte écarlate, des profiteurs. Ouais. Ok. Ok, ok. Maintenant, un voyage spatial.
Parce que visiblement, faut aller très loin. Ah, faut passer par Cheyenne. Ah, je peux... Est-ce que je peux aller directement là? Ça m'arrangerait. Ok. Et après... Tac. Voilà. Et on y va. Ah, la clé, c'est pas un... C'est un immense vaisseau. D'accord. Mince. Je voulais juste voir le système à quoi il ressemblait. Ah, waouh. Ok. Pas de truc de malade, mais... Intéressant. Il y a un trait ici ? Le verrou ? Je sais pas ce que ça... Je sais pas ce qu'ils appellent exactement un trait. Est-ce que j'en perds un si j'en mets un ? Sachant que j'en ai perdu un normalement puisque j'ai... Comment je peux aller... Wow ! Attends, ça c'est mission. Compétences. Inventaire B statut. Ah, ça va plus loin. Ah, citré. Ouais, mais ça, je l'ai payé. C'est bon. Faudrait que j'aille voir. Mais je vais d'abord m'amarrer à la clé. Parce que j'ai envie de voir. Ah. Au pire, j'irai sur Néon. Que ça fait de récupérer un trait. T'as eu ta part. Maintenant, dégage de là. T'as dit qu'on raflerait 10 000, mais c'était 30. Ça fait une différence de 40% quand même. Ok. Tu voulais 4 000, t'as eu 4 000. C'est pas mon problème. Si tu me voles, c'est carrément ton problème. Oh! Jamais faire ça. Vous vous fichez de moi? Elle est jolie l'image que vous donnez à ma blousaille. Eh, hey, il me vole et il se fait pincer? Qui crève? On dirait que t'as rendu service à la flotte. Bon, maintenant balance-moi ce cadavre dans un sas avant qu'il commence à schlinguer. Moi ce que je veux c'est simplement savoir si on peut trouver un marchand ici. Ça existe les marchands ici? Ça a pas l'air. Hein. Je suis mitigée sur mon dernier job. D'un côté, j'ai perdu un pote, mais de l'autre, j'ai récupéré ses crédits. T'as mis une plombe. T'as oublié comment ça se reporte ou quoi? Oh, ça va. Entendu. Je suis ravie de constater que t'as un peu de cran. Mais fais gaffe à pas avoir que de la gueule si jamais tu croises quelqu'un qui pourrait te démolir. Je croise jamais quelqu'un qui peut me démolir. Alors t'as le droit d'entendre une petite leçon d'histoire. Wouhou ! T'as ton stylo ? Parfait. Yeah. Ce tas de ferraille flottant s'appelle la clé. Il servait autrefois de station à l'armée de lycée. Mais c'est aujourd'hui la base opérationnelle de la flotte. Il est peut-être un peu abîmé sur les bords, mais on bichonne. D'accord. Ah, tu crois ? Eh ben c'est pas tout. Mais Delgado te racontera toute l'histoire. Il est meilleur que moi, ce jeu-là. Mais je peux te résumer le topo pendant qu'on se balade. Je te ferai le topo complet sur la clé. Mais il vaut mieux que je te montre. Suis-moi. Je te suis. Allez, cours.
lourde histoire. Yeah. Donc, la clé est en orbite autour de Suvorov. Je parle bien de la boule de glace sur laquelle Lucie a construit sa prison haute sécurité, qu'ils appellent le verrou. C'est gros malin de Lucie. Verrou, clé, pour une prison, quoi. Ouais, ouais. J'avais compris. Et c'est tout ? Ah mais, ok, d'accord. Ah. Ensuite, on dispose de tout ce dont la flotte a besoin. Évidemment, rien n'est gratuit. Non. N'oublie pas qu'à bord de la clé, les crédits sont droits. Oh. C'est quoi ce bordel ? Doucement, doucement, Neve. Avant de t'énerver, je suis déjà débordée. Yeah. Jasmine, ma douce. J'essaie de mener une visite. Alors tu peux me dire pourquoi ces portes sont fermées ? Ça s'appelle un dysfonctionnement. Tu sais, ces trucs sur lesquels je passe toutes mes journées. Crois-moi, je suis dessus. Pour une fois, aie confiance. Oh, j'ai toujours confiance en toi. Moi, je veux juste aussi, aller Jasmine, vendre des trucs. Si t'as besoin d'un truc pour ton vaisseau, elle te... Ouh, intéressant. Ces portes ont décidé de nous lâcher. Prochaine étape, le dépôt. Bref, on parlait du verrou. Ouais. Il y a une centaine d'années, les prisonniers se sont révoltés et ont pris les commandes. Ah. Après avoir volé des vaisseaux, ils sont parvenus à atteindre et prendre d'assaut la clé. Il était temps que tu nous ramènes des nouveaux, Naïva. J'en avais marre de voir toujours les mêmes ganaches. C'est qui parle ? T'es juste agacé que plus personne n'accepte tes prix exorbitants à Aludra. Enfin bref, bienvenue au dépôt. Lieu de perdition, ces sangsues assoiffées te videront les poches si tu ne fais pas attention. Moi ça me va, j'ai des trucs à leur vendre. C'est pas de notre faute si les gens ne comprennent pas qu'embarquer des marchandises intraçables sur la clé se paie au prix fort. Naïva chouine encore parce qu'elle pense avoir perdu de l'argent en nous vendant une cargaison d'équipement. Elle aurait dû mieux bosser son sujet. C'est ça, riez bien. Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose. On continue. Revenons à nos moutons. Ouais. Quand les prisonniers libres ont mis la main sur la clé, ils en ont fait leur base opérationnelle et ont commencé à pirater l'espace. C'est ainsi qu'est née la flotte écarlate. Jasper Crix y était évidemment pour beaucoup, mais ça, on y reviendra plus tard. Je te présente Zuri, la reine des raretés. Ouh. Si j'ai pas le truc, vous en avez pas besoin. Oh, je l'ai déjà entendu, cette phrase. Plan, schéma. Demande-lui un truc et elle te le trouve. Nos renforceurs, j'ai le meilleur renforceur du monde. Tu m'as toujours pas payé ton dernier achat, Naïva. On parle d'ardoise à 5 chiffres. Je voudrais pas utiliser la manière forte. Aïe. La manière forte ? Au secours, protégez-moi de la vengeance de Zuri. Trêve de plaisanterie, Zuri. Je te paierai quand je te paierai. Point barre. Si ça te pose problème, tu vois avec le boss. N'essayez surtout pas de me rouler. De l'autorité, je connais la valeur des choses. J'imagine que tu connais. Il achète tout ce qu'on lui propose, même de la contrebande. Ensuite, il y a notre infirmerie sur la gauche, gérée par l'unique Samina Misra. Elle te bichonnera, si t'en as les moyens. Bien sûr. On ne fait pas la charité avec des cliniques publiques ici, tu sais. Ouais, ouais, j'avais compris. Voilà, la visite se termine. De ce côté, tu as le Last Nova, où Box sert des verres coupés à l'eau à un prix exorbitant. Et juste ici, le cœur battant de toute la station. Le noyau du caissier, tenu par l'incomparable Chignavos. Et ça sert à quoi ? Encore du sang neuf, Naïva. J'arrive pas à croire que Delgado te laisse encore recruter, vu ce qui est arrivé au dernier. Ah ouais ? Tu parles de Stinreik ? On s'en est occupé, d'accord ? J'aime pas les situations instables et ce type s'était mis tout seul dans la panade. La prochaine fois, fais plus attention au moment de choisir. On fera de sacrées économies. Oh, ouais, mauvaise langue. Je t'aime aussi. Bref, Shinya gère notre élément vital, l'argent. On l'appelle notre caissier. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un trou du cul. D'accord. Et Naïva est une sale petite garce. Fais attention à toi. J'avais compris. Va chier, Voss. Prends bien soin de notre nouvelle recrue. Je trouverai le moyen d'allumer le feu d'artifice dans ta poitrine. Bref, Shinya va t'expliquer notre système. J'ai un vrai boulot, moi. À plus. Quand vous aurez fini, monte à l'étage et je te présenterai le boss. Je peux enfin me présenter correctement. Je suis Shinya Voss, caissier officiel de la flotte écarlate. Je sais même pas. Et comme Naïva l'a si délicatement mentionné, oui, j'ai bien une bombe dans le thorax. Et non, connaître la définition du mot humble ne m'intéresse pas. En fait, je trouve cette mesure de sécurité spéciale Delgado plutôt motivante. Évidemment. Content que ça te plaise. De toute évidence,
On prend pas la trahison à la légère ici. Tu m'étonnes. Puisque je supervise les transactions et que je tiens tous les comptes de la flotte, je suis une cible de choix pour des informations. Si des ennemis venaient à me capturer, ou s'il me venait un semblant de morale, je deviendrais notre plus grande menace. Donc, autant te faire exploser facilement. Une certaine tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité. Alors que je suis sûr que t'as un moyen de trafiquer le truc. Ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas mis un pied en dehors de la clé. C'est trop risqué de quitter cet endroit. Tu m'étonnes. Maintenant, laissez-moi vous préparer. Juste un moment que je m'entretienne avec le noyau. Grâce à des modifications avancées que même Ryujin nous en virait, je peux interagir directement avec notre ordinateur central et le réseau de la Galbank. Waouh, incroyable. Ça me permet de déplacer et d'effacer des crédits plus vite et plus efficacement que les hackers de base. Pas mal. Ça explique pourquoi vous êtes aussi puissant. C'est pour ça que vous êtes la seule entité pirate aussi puissante. Vous manquez la bénédiction de Delgado et vous serez des nôtres. Ok. Ah, intéressant ça. À part celle sur mon torse et mon bras, je suis un homme comme les autres. L'entretien est terminé, on peut se remettre au boulot. On peut se remettre au boulot. Ce qui nous amène directement au dernier sujet. Ah ouais ? Grâce à nos relations avec nos contacts dans toute la galaxie, il y aura toujours des contrats disponibles. Je vous ai accordé toutes les permissions nécessaires pour y accéder à tout moment à partir des ordinateurs qui entourent le noyau. D'accord. Nous en avons officiellement terminé. Eh ben, je me casse. Non, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez retourner voir Delgado. Prenez l'ascenseur jusqu'au niveau supérieur. Vous devriez pouvoir retrouver votre chemin à partir de là, j'espère. Ouais, mais en fait, je vais pas faire ça. Je vais surtout aller voir les marchands. Ah, le bar. Le broc de Bog est pas mal quand t'aimes la piquette. Mais moi. Ça, c'est celui qui achète la contrebande. Ça. Ah, je voulais voir ce que tu avais avant. C'est dur à trouver. Tant que vous avez des crédits. Un bon petit sniper, ok. Ok. Ouais. Pas trop mal en termes d'armes. Munitions, t'as des trucs qui m'intéressent, non? Combinaison, t'as rien d'intéressant. Ok. Ok. Objet à lancer. De la bonne vieille. Des notes. Ah, ok. D'accord. Ressources, t'as quoi ? Des choses qui peuvent être intéressantes. Combustible nucléaire. Nucléaire, par exemple, ça, je pense que ça peut être intéressant. C'est bon à savoir, même s'il y a peu de chances que je reviendrai. Et dans les divers, rien d'intéressant. Et en vente, je suppose que effectivement c'est pas toi. Mais par contre, je peux te vendre des objets volés. Intéressant. Et je peux te vendre ouais, les données planétaires, mais tu me les rachètes pas très cher. Je sais pas à qui c'est le mieux de les vendre, les données planétaires. Ok, ça c'est général. Besoin de quelques pitié, dis-moi que tu sais. Ok, c'est pas. Ah, acide animé, tiens. Tiens, je vais en prendre. Il me manquait je sais pas quoi en acide pour faire je sais plus quoi. Ça doit pas peser bien lourd. Bon, après, t'as tous les trucs habituels. Ah, du néon. Est-ce que j'en prends tout de suite? Vas-y. Tac, en soin. Non, mais en soin, j'ai ce qu'il faut. Et pareil, hein. En divers, ouais. C'est donc c'est bien que l'autre qui peut vendre. Comme tu veux. Yapon et c'est quoi toi ? La bonne protection peut faire toute la différence. Ouais, non, mais tu m'intéresses pas. Ça va être toi qui va m'intéresser. Vendre du. C'est vendre de la contrebande qui va m'intéresser. J'espère que t'as du fric, mon gars. Voyons voir ce que nous avons là. T'es là pour acheter ou pour vendre ? L'auto. Ouais. Une apparence respectable donne l'impression d'un établissement respectable. Mais vous êtes pas un établissement Et respectable. Plus l'établissement est respectable,
plus le client est prêt à payer cher. Si tu le dis. Le système commercial de la flotte est très impressionnant. Mmh. Ils ont même réussi à recruter un vrai docteur. Les affaires qu'on fait sur la clé sont uniques. Les crédits sont la seule raison de ma présence ici. Ok. Les deux parties ont à y gagner. L'autorité commerciale achète tout ce qui a de la valeur. La provenance importe peu, du moment qu'on peut le revendre. Bon, c'est bah alors... C'est la meilleure façon de transformer votre butin durement gagné en crédit légitime. Prêt à être dépensé. C'était tout naturel d'établir une présence ici. Pourquoi prendre le risque de se rendre à New Atlantis quand on peut faire affaire sans bouger d'ici? Si tu le dis. Il y en a d'autres qui partagent cette idée. On aurait pu penser que notre relation florissante ferait évoluer les mentalités, mais il y en a toujours qui me considèrent comme un intrus. Mais tant que la flotte aura des biens à échanger, l'autorité commerciale maintiendra une présence sur la clé. Ok. Allez, pas à faire. J'espérais vous l'entendre dire. T'as des trucs vraiment intéressants. Beowulf. Ah, ok. On verra plus tard. Paf, paf. J'aime bien les noms. T'as des ressources même. Ok, intéressant. Oh, c'est toi qui vends des aligneurs. J'en prends, on en a toujours besoin. Après, moi. Eh ben. Bah. Ah, inventaire du vaisseau, je suis bête. Ouais, ça se revend moins cher que la valeur. Hein. Il faudrait que j'ai les bons traits. Mais bon, c'est pas grave, déjà. C'est 2001 ou c'est 2000 les 6 ? C'est 2001, ce qui fait que je peux récupérer... Ce qui fait que lui, il a pas assez pour tout me racheter. C'est dommage. Et comme il a rien d'autre qui m'intéresse... L'autorité commerciale est toujours d'accord pour prendre vos crédits. Ouais, sauf que t'as pas assez de fric. Quelque chose vous plaît ? J'espère que vous avez des... Ouais, parce qu'en fait, je me suis fait avoir... plusieurs fois, c'est pas... C'est le vendre depuis l'inventaire. Et là, je peux leur vendre. Très bien. Ok. Je vais les mettre à sec. J'espère que je vous manquerai pas trop. Mais au moins, comme ça... Moi, j'aurais au moins vendu ça et je vais pouvoir augmenter mon vaisseau. Toi. J'ai pas besoin de tout savoir. Prends pas trois plombes. Ouais. Ah, tu peux pas tout racheter, t'es chiante. Oh, d'accord, salut. Bah tiens, toi, je suis pas allé voir. Électromagnétique. Les meilleurs... Qu'est-ce que tu vends ? Des aligneurs, 6, je prends. Putain, ça par contre, ça me saoule. J'aimerais bien en avoir une évoluée. Je sais pas s'il y a d'autres niveaux. Bref. Mince, non. Installe-toi. Par contre, hop, hop, divers. Et tu vas m'acheter les deux qui restaient. Voilà. À la prochaine. Et donc, je reviens en arrière. Et la meuf pour les vaisseaux, c'est toi. On a peut-être pas de service officiel. Si t'as oublié, je suis Jazz. Ouais. Comme te l'a dit Naeva, si t'as besoin de pièces, de réparations... C'est peut-être pas plus vaste, mais c'est pas référencé, si c'est ce que tu veux dire. Je te garantis que ton vaisseau sera entre de bonnes mains. Alors, si tu cherches une amélioration, fais-moi signe. On a la meilleure sélection de tous les systèmes occupés. Illégal, non agréé, rappelé... On vend tout, sans poser de questions. Ça me va. Tout ce qui te permet de semer Lucé et les Pola figure forcément dans ma liste. Fais-moi signe quand tu voudras parler affaire. Bah je veux parler affaire maintenant. T'es toujours si c'est... Hop, déjà. Ah ouais, tu l'as... Moins 1000, ça va, c'est le même prix qu'ailleurs. Ah ouais, je veux voir quand ce qu'elle a à vendre. Fric, l'atelier est toujours ouvert. Un peu. Le Raper. Capacité de soute 1160. Hein, ça fait rêver. Ça fait rêver, mais il est bien cher. Ah, mais il coûte tout mon fric, quoi. Faudrait que j'aille rechercher de la contrebande pour l'acheter. Mais, en vrai,
En vrai, c'est un... Ah, c'est un B. Est-ce que je peux le conduire? Est-ce que je peux le piloter? Je suis pas sûr de pouvoir le piloter, par contre. Le fantôme. Oh, petit, efficace. Ah, il a une bonne capacité de soute quand même. Hein. Pas mal. C'est un A. Ok. Et je gagne... Ah, je gagne en tout, en plus. Ah, équipage 2, il est quand même plus gros que le mien. Mais je perds pas mal en capacité de soute. Le Haunt, ok. Le Spife. 121. 120, ok. Bouclier 550, équipage 5. Ah ouais, c'est gros vaisseau. Ah, petit vaisseau, mais blindé, c'est ça. 542 soute, exactement ce que j'aurais besoin. Enfin, ça augmente ma soute, donc c'est bon. Avec laser 6, portée, MSL 3, bouclier, ouais, tout monte, quoi. C'est 520, hein, simplement, lui. Portée 24 années-lumière, c'est celui qui a le plus de portée. Ah, c'est pas celui qui a le plus de portée en années-lumière. C'est quoi, celui qui a le plus de portée en années-lumière? Ah, c'est le Spectre. Ah, mais c'est aussi un B, aussi. Équipage 5, bouclier 505. Et comparé au Reaper, 525 de bouclier, ouais, je perds en allée lumière un peu. 16, 14, ouais. En vrai, lui, il fait rêver, hein. Il fait un peu rêver, hein. Capacité de soute 1000. Tu fais ce que tu veux. Mais je crois que je peux pas les conduire. La réalité, c'est que je peux pas les conduire, hein. Débloque la capacité à piloter des vaisseaux B. Faut d'abord que je fasse 15 et puis voilà. Donc c'est pas pour tout de suite. Donc, je gagnerai bien du fric entre deux. Je veux bien t'aider. Mais... Bien sûr. Il faudra d'abord que j'améliore lui. J'ai d'abord amélioré lui, sachant que j'ai celui là aussi. Hein. J'ai évidemment celui-là que j'ai volé. Mais il me sert pas à grand chose pour l'instant. Il est impressionnant, mais il a pas de capacité de soute, malheureusement. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Alors. Améliorer le vaisseau. Canon, lance-missile, moteur, générateur de bouclier. Ah, je peux pas améliorer les astromoteurs, ok. Réacteur, ah ça c'est les réacteurs normaux en fait, ok. On peut peut-être améliorer les lasers. Où est-ce que je vois la différence? Ah là. À 10 000, il y a juste les dégâts coque qui augmentent. Ah ouais, mais à 34 quoi. Ok. Ok, je suis à moins de... Ok, d'accord, je vois. Calon Moller, puissance maximale 8. Cadence de tir 6,65. Ok. Oh, il y a un silencieux dégât... Ah ouais, mais c'est parce qu'il fait des dégâts électromagnétiques. En vrai, lui, à 21 000... Ouais, je réduis les dégâts avec lui, ouais, je suis en dégâts bouclier à 10, dégâts coque 30. Là, c'est dégâts bouclier qui augmente bien à 20. Et surtout la portée. J'augmenterai bien eux, en fait. Hein. Lance-missile. Ah bah, tu m'étonnes. Mais ça, c'est des missiles. Je suis con. Lance-missile, c'est des missiles. En fait, tu changes.
de... En fait, c'est plus je change, plus que je... Arme 0, arme 1, arme 2. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, elle propose tout ça et moi je l'installe ou je l'installe pas dans les trois trucs que j'ai en fait. Ok. Ça c'est face dégâts bouclier, ça c'est les dégâts coque et ça c'est les missiles. Donc en vrai c'est plutôt cela. Elle a que ça en lance-missile. J'y gagne rien en fait. J'y perds même. Donc faut mieux pas que je change. Dégâts coque, dégâts bouclier, là je suis à 18. Donc faut que je cherche ce qui augmente le plus les dégâts bouclier. Ouais, c'est le silencieux. Ah non. Dégâts bouclier, c'est lui le laser là. Il augmente même un peu les dégâts coque. Donc lui en vrai ou alors je vais directement sur ça. Bah non, il fait moins et il coûte plus cher. Je passe à 28 là. Pourquoi celui-là est moins cher ? Ah, c'est la cadence de tir. Lui, il a que 3 en cadence de tir alors que lui, il a 6 en 14 de tir. C'est deux fois plus. Pour un dégât bouclier, 20. Ah, il y a le rayon électrique. Il y a le rayon à électrons aussi hein, qui. Rayon à électrons automatique. C'est quoi la différence ? Bah, les cadences de tir, elle est largement mieux. Je perds en dégâts aussi. Est-ce que le mieux, c'est que pas que je mette celui-là ? Dans un premier temps, tenter ça. Parce que même le laser, là, il me mettrait à 20. Donc j'ai pas besoin tant que ça. Mais le rayon électromagnétique là, vas-y, à 4000, ok. Lui c'est normalement ce qui me sert à faire des dégâts coque. C'est quoi qui me fait des dégâts les plus coque? Ah non, j'étais à 18. Comment ça se fait qu'ils me disent que 17 c'est mieux? Ah non, j'étais à 13, donc 17 c'est mieux. tac. 36. Ah oui, mais c'est le lance-missile, c'est normal. Eh ben le canon K20, ça me va. Puissance, pourquoi je passe en... Pourquoi je baisse en puissance? J'ai moins de puissance si je mets ce canon là alors qu'il est plus fort. Alors là, je comprends pas. Dégâts coque 17 alors que je suis à 13. Ah, parce que celui que j'ai actuellement... Portée ? Ah non, portée, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi je perds, en fait. J'ai changé mes lance-missiles, peut-être ? 47 ? Non, ils sont moins bons. Non, ils sont moins bons, les lance-missiles, ok. Par contre, pour lui, pour les 1, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je perds en puissance, alors que je gagne visiblement en tout. Je vais mettre ça. Ça a l'air largement mieux quand même. En moteur. Ouais, des vrais moteurs de ouf. Attends, pousser moteur, je pars de combien? Le problème, c'est que j'ai pas le départ. Pousser moteur, 21 000. Ah, oh, 22 000, hein. Je suis pas... Ça monte pas non plus de ouf. Vas-y, j'ai dit que j'augmentais mon vaisseau. Ça, générateur bouclier, je veux bien prendre.
Là, je passe à 23. Là, par contre, la masse... Ouais, en vrai... Je perds en... Ah oui, 355. Je suis à combien de boucliers, là? 310. En vrai, est-ce que ça... Je gagne quand même en mobilité. Ah, mobilité, je suis à 95. Hein. Ah, je perds en mobilité, quoi qu'il arrive, du moment que je mets un autre. Autant aller là, hein. Autant aller là. En vrai, si je détruis les gens avant qu'ils me détruisent, je préfère mieux bouger en fait. Je vais pas changer les boucliers pour l'instant. Alors là, pareil, je baisse en puissance, mais je sais pas pourquoi. Alors que ça a l'air d'être un beau réac, un trou, un truc bien. Énergie générée 20. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Bon, j'augmente la masse. Mais bon. Ah, par contre, je perds grave en mobilité, hein. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que dans ce cas-là, on peut pas mettre un meilleur, effectivement, un meilleur bouclier? Puisque de toute façon, je perds en mobilité quoi qu'il arrive. À portée des sauts, par contre, j'ai perdu. J'ai perdu en portée de saut. Je perds de beaucoup ou pas? Ah, une année-lumière. C'est pas grave. Alors, c'est la moitié de mon budget. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre comme ça, ce vaisseau-là? Pourquoi pas? On le tente comme ça. Ça va me coûter cher, mais c'est pas grave. Allez. Voilà. Allez. C'était peut-être une erreur, mais c'est pas grave. Et c'est parti. Pour voir le grand chef. Le grand chef. Ok. Ah, notre autre nouvelle recrue. Mathis Castello. C'est bizarre. Maintenant que nous sommes tous là, yeah. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Yeah. Vous êtes les deux seuls recrues à avoir réussi le test. Les autres, disons simplement qu'on n'en entendra plus parler. Ça m'étonne pas. Naeva est prête à se porter garante pour vous. Ce qui veut dire que vous êtes digne de rejoindre la flotte écarlate. Wouhou ! Comme tout le monde à bord de cette station, continue à suivre les ordres et tu auras ta part. C'est simple. Très bien, commençons. Rejoindre la flotte écarlate, c'est s'engager pour la vie. Pas de démission, pas de retraite. La seule façon de la quitter, c'est la mort. Restez fidèles ou assumez les conséquences de vos actes. La flotte passe avant vos amis, avant votre famille, avant vous. D'accord, j'en ai rien à foutre. Oula. Évidemment qu'il y a des règles. Tu croyais que la flotte écarlate reposait sur quoi? Des rêves fumeux? Ouh, je vais me faire engueuler. Notre influence, notre argent, notre respect, tout ça existe grâce à une organisation méticuleuse et une obéissance absolue à mes ordres. Ok, ok, pas besoin de s'énerver. Faire passer la flotte avant tout le reste. Oh là là. Quel drama queen.
Chef, c'est bien, t'apprends vite. J'aime ça. On peut accélérer. Je voudrais aller me bourrer la gueule au Last Nova. Pas mal. C'est la première chose intelligente qui soit sortie de ta bouche depuis que t'es rentré ici. Puisque vous avez l'air si pressé de continuer, parlons de votre prochaine mission. Ah, ça c'est bien. On sait prendre des moufles, les bleus. Vous allez en avoir besoin là où on va. Ah. C'est pas vrai. Me dis pas que tu vas les embarquer à Souvorov dans un de tes petits voyages initiatiques. Wouhou ! 10 expéditions à la surface, 12 cadavres. J'espérais que t'avais fini par renoncer à cette histoire à dormir debout. L'héritage de Krix n'est pas une histoire à dormir debout. Okay. On a de nouvelles perdues dans la flotte. Et si ces deux-là veulent faire leur preuve, ils vont m'aider à fouiller ces ruines. J'espère que t'as raison, Del. Ce nouveau code du verrou nous a coûté une fortune. Et un capitaine de valeur. Ce voyage initiatique, comme dit Naeva, sera l'occasion de découvrir où tout a commencé. Sur Souvorov, avec Jasper Krix. Mmh. Krix mena la révolte qui donna naissance à la flotte écarlate. Et si son héritage se trouve là-bas, alors c'est nous qui allons le trouver. D'accord. Avant de quitter la flotte, Krix a laissé un message mentionnant une prise si énorme qu'elle nous catapulterait parmi les grands noms des systèmes occupés. On a fini par l'appeler l'héritage de Krix. Et tous ceux qui ont essayé d'en découvrir la véritable nature sont revenus les mains vides. Ou sont jamais revenus. Moi, évidemment. Pour mettre les chances de notre côté, il nous faut une piste. Et je parie qu'on en trouvera une sur Souvorov. Ok. Mais elle oublie le principal. Toute cette quête s'appuie sur une poignée de mots sur une vieille tablette. Krix raconte beaucoup de blabla sur cet enregistrement. Mais il est avare de faits. Certains d'entre nous y croient plus que d'autres. Ok. L'écoute pas. Quand on mettra la main sur l'héritage de Krix, la flotte ne sera plus jamais la même. Mais même c'était... le 6 dev de Lucé apprendra à nous craindre. Alors, c'était peut-être une prise incroyable à son époque. Est-ce qu'elle restera aussi incroyable à notre époque? Ça, c'est une autre raison. On dirait que quelqu'un veut passer aux choses sérieuses. Ouais. Bon, assez parlé. On a beaucoup à faire. Prochain arrêt, le verrou. J'ai demandé à Jazz d'envoyer les coordonnées à l'ordinateur de bord de ton vaisseau. Ok. Puisque Mathis n'a pas de vaisseau, il viendra avec moi. On se retrouve là-bas, Bleuzaï. Me fais pas attendre. Pas de problème. Te raconter son histoire prendrait des heures. D'accord. Quand tu... enfin, si tu reviens... fouille un peu sur la clé et tu devrais trouver des enregistrements de l'interview qu'il a accordée à SOTV quelque part. D'accord. Ça devrait te satisfaire, c'est ce qui se rapproche le plus de sa biographie. Ok, ben on se barre alors. Moi j'ai une autre mission. Est-ce que l'épreuve, ça va mettre indiqué ou pas? Non, c'est à moi de trouver des trucs... Ok. Quand on bosse aux opérations, faut pas se laisser aller. T'essaies de commencer quelque chose? Parce que je serai là pour le finir. Ah ouais... Il faut qu'Aloudra jette un œil à la cinétique. Le recul est faussé. Ok... Je vais regarder s'il y avait pas des choses qui traînent, hein. Des calepins ou des trucs comme ça, puisqu'il me faut des preuves. Mais visiblement, c'est pour plus tard les preuves. D'accord. Bon, bah direction le vaisseau là. Ça, c'est un café. Ok. On verra donc. Plus tard. Je pensais récupérer des trucs dès le début. Quelques preuves. Ah! D'accord. Ah ouais, c'est la quatrième partie. Racontez-nous votre arrestation. Ah, c'était du grand spectacle. On a certainement marqué l'histoire. La sécurité de Lucé a lancé une armada contre notre petite flotte. Et nous a éliminés. Un à un. Jusqu'à ce que les survivants rejoignent la roue. Pour nos auditeurs, précisons qu'il s'agit de la station orbite autour de Voli que vous avez détruite juste avant d'être arrêté. Vous confirmez? Ça, c'est ce qu'ils voudraient vous faire croire. Mais la vérité est bien moins sinistre. Il y a eu une grande bataille sur la roue quand ils ont essayé de nous coincer. On s'est arrangé, mais l'Union coloniale a sorti la grosse artillerie. Les dégâts qu'ils ont causés étaient catastrophiques. On s'est rendu uniquement pour pas mourir dans l'explosion de la station. Lucé dit
dit pourtant que vous aviez placé des charges explosives pour tenter de vous couvrir et de vous échapper. Oui, c'est leur version. À vous de décider ce qui vous semble plus plausible. Quoi qu'il en soit, ils nous ont enfermés dans le verrou. Ce merveilleux complexe qu'ils ont construit sur Souvarov. Et combien de temps y êtes-vous resté emprisonné? Eh bien, c'était censé être la perpétuité, Gail. Mais au bout de 2 ans, j'ai décidé que j'en avais assez. Y a-t-il une raison particulière qui vous a incité à lancer les émeutes qui ont abouti à la pire évasion de l'histoire de l'Union coloniale? Ah oui, je suis plutôt fier de ça, vous savez. Je m'attendais vraiment pas à un tel succès. Quant à la raison, c'est bien simple. L'Union coloniale nous traitait comme des animaux. Les conditions de vie dans le verrou étaient atroces. Et tout le monde s'en foutait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous avaient exilés sur ce caillou glacial. Pour pouvoir tranquillement nous oublier. Votre évasion a causé de nombreuses morts parmi le personnel du verrou. Certains vous accuseraient de minimiser les faits en qualifiant cela de manifestation. Si vous cherchiez simplement à faire valoir vos droits, pourquoi ne pas avoir suivi les recours habituels? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire d'après vous? Écrire une lettre bien sentie à mon représentant désigné d'office? Soyez sérieux, enfin. L'Union coloniale ne comprend que les actes, pas les paroles. De mon point de vue, il n'y avait pas d'autre solution. Écoutez, laissons un peu tomber mon emprisonnement au verrou, histoire d'arriver au sujet principal de cette foutue interview. Si tu le dis, bref. C'est pas vraiment intéressant, mais... Non, en vrai, si, c'est un peu intéressant. C'est du lore. Ok. Je trouve pas les preuves. Je sais pas où est-ce qu'il faut réellement chercher. Ouh. Intéressant. Verrouiller, avancer. Tu crois vraiment que ça va m'arrêter, mec? Ta-da-da. Ah non, pas du tout. Ok. Non. Non. Oh. Ok. Plutôt comme ça? Non. Donc ça, ça passe. Ça passe là, mais j'ai rien pour aller là. Dommage. Ok. Ouais, vraiment, j'ai rien pour aller là. C'est sûr? Ah ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Ah! Mais si, voilà. Oh là là. Je me disais aussi, c'est bizarre. Non, c'est pas là. Ok. Ah, c'est un truc bizarre. Ah, c'est là. Bon, et puis après, c'est là. Tac, tac. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que je prends ça et je vais aller directement le revendre. Ok. Je sais pas où on est. Oh, c'est quoi? Ouah, wow, entretien avec Chris, il y a 7 parties. Oh, je lis pas les 7, hein, c'est mort. Enfin, je prends pas les... avant de conclure. Ah, c'est le dernier. D'accord. Je vous écoute. Quand estimerez-vous en avoir assez? Combien de crédits Jasper Crix doit-il posséder pour être satisfait? Je savais que vous me poseriez une question stupide dans le genre. Comment pourriez-vous comprendre? Avec vos diplômes sophistiqués, votre enfance privilégiée et votre boulot de journaliste bien confortable, moi je suis parti de rien. Tout ce que je possède, j'ai littéralement fait couler le sang pour l'obtenir. Oh là là, c'est l'excuse des connards, ça. J'essaie simplement de vous rappeler que nos auditeurs sont capables de se forger leur propre opinion. Écoutez-moi, j'ai un scoop pour vous. La moitié de votre public me prend pour un héros. L'autre moitié se met dessus quand ils pensent à moi. Et ils ont bien raison. Nous devrions peut-être parler d'autre chose. Non, ça suffit. C'est terminé. Les gars, vous me la renvoyez d'où elle vient. Et vérifiez bien qu'elle emmène tout son matériel d'enregistrement. Eh bien voilà, alors, merci pour votre... En fait, avant que vous partiez, Gail, j'aimerais ajouter une dernière chose.
Ah. Naturellement, de quoi s'agit-il? Quand vous diffuserez cette interview sur SOTV, sachez que je l'écouterai attentivement. Si vous modifiez le moindre mot, ou manipulez ma voix pour altérer mon message de quelque manière que ce soit, je vous traquerai et vous tuerai devant le monde entier. Eh bah, ben, comme ça, c'est clair. Je comprends. Vous avez ma parole. Au moins. Quoi? Vous pensez que je suis qui? Ça va arrêter votre petit jeu. Nous savons tous les deux que votre vrai nom est Léonel Soto. Et vous savez pourquoi je suis là. Qui êtes-vous? La flotte? L'éclipse? Une indépendante? Tant que la flotte est ta priorité, il n'y aura pas de soucis. Je suis là pour chercher. Juste pour pouvoir vous regarder dans les yeux quand j'appuierai sur la détente. C'est quoi, Soulingue? Il doit y avoir une erreur. Honnêtement, je vous connais pas. Bien sûr que vous me connaissez pas. Vous vous êtes jamais intéressé à tous ces morts que vous laissiez dans le sillage de votre cupidité. Vous avez tué mon mari, sale connard. Et maintenant, c'est moi qui vais vous tuer. Ah, c'est vraiment trop dommage. Tout ce temps et cet argent qu'elle a perdu. Enfin, mieux vaut se débarrasser du corps. Ouais, c'est bien fait à voir, quoi. Seringue, ok. Ah bah tiens. Bon bah je vais pas me placer devant. Tac tac tac. Ouais. Non. Où a démarré votre ascension fulgurante vers les sommets de l'infamie? Dans les rues de New Atlantis. Ni parents, ni famille. Je n'étais qu'un voyou qui raquait les passants pour leur crédit. Alors, commettiez-vous des crimes violents? Des meurtres? Cette question quelque peu vexante, Gail. Peut-être que quelques personnes ont été blessées. Mais je suis pas un boucher, vous savez. Mmh. Votre réputation vous prête pourtant une personnalité des plus sinistres. Ah, je n'étais qu'un gosse. Vous n'avez jamais été arrêté par les autorités de New Atlantis? Bien sûr que si, des dizaines de fois. Mais je leur donnais une fausse identité. Si t'as besoin de crédit, va voir le tableau des missions au noyau. Ils me tapaient sur les doigts avant de me relâcher. Ils pensaient manifestement que je serais jamais qu'un bon à rien. Et ils voulaient pas perdre leur temps à faire de la réinsertion. Ça c'est le Nova, j'en ai rien à foutre. Je sais pas, si ça se trouve il y a des preuves là-dedans. Qu'est-ce qui a changé la donne? Le braquage de 2200. Ah oui, des archives de la Galbank. Bravo Gail, je vois que vous avez fait votre voie. J'avais rassemblé quelques amis et on a retourné l'endroit. Besoin de quelque chose? Non. Chaque fois que je vois des sourds, premier gros coup. C'est pour cette raison que la balafre écarlate a voulu vous recruter. Exact. Ils m'ont accueilli, ils m'ont appris leurs trucs et j'ai fait des boulots pour eux pendant 5 ans. J'ai évincé leur chef, pris sa place et commencé à donner des ordres. Dès lors, c'était moi qui commandais. Bah, si tu le dis. Est-il absolument nécessaire de lui trancher la gorge et de laisser son cadavre dans le puits à la vue de tous? Ouais. Dans la rue, bien la sûr. Réputation est primordiale. Bien sûr que ça, c'est obligatoire. Bon, j'aurais récupéré au moins une preuve. Je crois que le message est passé. Faut que je retourne chez les vendeurs, même si je sais pas où, on est, où c'est. Je me suis perdu. Merde. Paraît que la sœur d'Isra est une mercenaire d'élite. Mince. Bon, moi je suis complètement perdu. On va se retrouver. Hop. Tac. Donc ça c'est Range. Ça c'est la sortie avec eux. Donc c'est par là. Ok. Achète chez moi. Aucun prix est trop élevé quand un bon équipement peut faire. Ouais, je sais. Ah, mais non, c'est pas. Attends. Vendre. T'as pas suffisamment. Ah, t'es galère. Ok. Ça, c'est. Mais c'est pas ce que. Attends. Ah, non, c'est ça ce que j'ai sur moi. Ok. Ouais, t'as pas suffisamment. Et en ressources, en pas en munitions. Ah, en armes, est-ce que j'ai récupéré une arme que j'ai envie de vendre? Non.
Attends quoi, il m'en manque une arme, non? Non. Combinaison. Oui, si. Il y a celle-ci que je peux vendre et celle-ci. Ok, toi, t'as plus de fric. Tu m'intéresses plus. Fais gaffe à toi dehors. Ah ouais. Dans cette vie, tout va... Tiens, tiens. Comme tout le monde. Ah ouais. Hey, si t'es là pour me mettre des crédits dans... Je voilà. propose la plupart des armes qu'on vend. Un peu de contrebande de temps en temps. Essaie pas de me baiser. Hmm. Que moi, je te fasse pas peur, c'est une chose. Le reste de la flotte, en revanche... Bah, elle me fait toujours pas peur. Je vais te donner un conseil. Ok. Verse ton sang pour la flotte. Ceux qui prétendent le contraire mentent. Ok, ok. Ok. La plupart non, c'est parce que j'ai pas envie de te parler, en fait. C'est pour ça que je dis que je comprends. C'est surtout ça. Tac, alors. Diveil. Eh ben c'est très bien ça. Bim, allez, vas-y. Ça, ça me va. En ressources, rien. En notes, je garde tout. Soins, je vais pas. Les tenues... Ça me sert à rien. Ok. Les casques, ça et ça, ça me sert à rien. Les sacs, tu peux te les garder. Combinaison, munitions, armes, blablabla. Ok. Sur le vaisseau, il n'y a presque rien. Ça me va, c'est exactement ce qu'il faut. Un pyjama. Pourquoi pas. Case spatiale de constellation cassée. Don't use. Allez, ça peut se vendre ça. T'as terminé. Comme tu veux. Allez, c'est parti. Comme j'ai récupéré une preuve... On va plus s'amarrer à ça. Et on va pouvoir passer à la suite. Le Zai. C'est qui ? Si j'avais un milliard de crédits, je gérerais une ville comme Bayou. Ah, si tu le dis. Ah, mais ça se trouve, il y a des preuves ici aussi. Hein. Je pense pas. Bref. Allez, arrêtons d'explorer. Voilà. Oui. On va. Tout simplement se désamarrer parce qu'il n'y a pas le choix. Là, on va mettre de la force dans les nouveaux systèmes, par contre. Oh, comme ça, je peux avoir un peu tout ce que je veux. J'ai pas bouclier max, mais bon. Ce sera bien. Si je descends de 1, je peux avoir bouclier max. En vrai... SL, moteur à 3, ASM pour pouvoir faire des sauts et on est parti. Et bah de toute façon il faut que j'y aille au verrou, ok. Mais, ah il aime pas qu'on le fasse attendre. Est-ce que si on le fait trop attendre il y aura un truc de genre ça va être la merde? Bon je sais pas. Il est ça. On peut pas y aller direct. UC Vigilance hors de portée de carburant. Ah, faut que je fasse tout le détour pour aller porter l'épreuve. Bah. Je veux voir ce que ça fait d'aller porter des preuves, c'est la première fois que je le fais.
J'ai envie, même s'il va falloir que je m'amarre et tout ça. Que je m'abarre comme un malabar. Vous venez d'entrer dans l'espace de la Confédération Liber Astra. Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande. J'ai pas de contrebande, hein. Attends. Quoi ? J'avais de la contrebande sur moi ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder. Toute marchandise illégale ou volée sera confisquée. Quoi ? Attends. Vous êtes moins bête ? Attends. J'avais quoi ? Je croyais que j'avais tout vendu ? Bizarre. Ah, mais j'ai des trucs devant, j'ai des trucs de. En même temps, j'avais des trucs volés. Ouais. C'est là. Personne ici pour le moment. Ils sont tous là. Ah, j'avais de l'horreur sur moi. Oh là là. Mais quelle idée. J'ai oublié de vendre l'aurore que j'avais sur moi. En vrai, ça, je leur laisse. Ça vaut pas tant de fric que ça et ça va juste ma... Ça va juste m'apporter des ennuis. J'ai tout récupéré, sinon le reste... Visiblement, c'est bon. J'ai rien de, d'autre de dangereux qui fait qu'ils vont être chiants. Ah, c'est vrai que j'ai ça. Grave. Tac, tous mes aligneurs. En même temps, si je les perds, eux, c'est pas trop grave. Par contre, arme. J'avais pas de... Mon katana. Mon katana. Rendez ça si vous savez ce qui est bon pour vous. Non, mais c'est pas drôle. Mon katana, il est où ? Qu'est-ce que j'ai foutu de mon katana ? Non mais si je peux pas récupérer mon katana, on va éviter les emmerdes. Bienvenue dans la Confédération Liber Astra. Merde ! Merci de maintenir votre cap. Ah non mais on se barre tout de suite. Est-ce qu'on peut se barrer tout de suite ? En plus le pire c'est que je suis venu ici parce que voilà. Tac. Putain, je pensais pas que ça aurait... Hop là. Ça m'a téléporté direct. Incroyable. Et avec tous les trucs nuls que j'avais. Ok. Je sais pas pourquoi mon katana il avait disparu complètement. Il y a des trucs de vol qui gardent. Bon, pas grave. Ah mais comment je me suis fait avoir comme une bleuzaille par contre ? Attends. Par contre faut que je prenne 2-3 trucs qu'il y a dans le vaisseau, quitte à être là. Voilà. Ouh, comment je me suis fait avoir par une bleuzaille par contre. Putain, j'avais pas vu que j'avais de l'aurore sur moi. Ce qui fait qu'effectivement ils étaient pas contents.
Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Vous avez toute mon attention. Mais je sais pas pourquoi t'es monté dans le vaisseau. Donc non. Pourquoi j'ai un kit d'urgence et un kit de soins, des aligneurs. Attends. Ok, ça je veux bien, mais alors. Ça je peux le prendre. Sandwich entamé, ok. Alors ça je sais pas pourquoi c'est là, mais pourquoi pas. Ça je peux le prendre. La pièce de vaisseau je prends pas. Ça vaut 0, je peux bien garder. C'est ça que je voulais. Et dans les divers. Ah, j'ai plus qu'un seul aligneur. Je comprends pas. Ah oui, non mais. Oui, je veux un aligneur. Pourquoi j'ai autant de trucs? Pourquoi j'ai autant de trucs qui servent à rien? Quoi? Mais ils sont trompés de sauvegarde avec quelqu'un? Pourquoi j'ai autant de trucs qui servent à rien dans mon vaisseau? Mais j'ai pas volé tout ça! Quoi? Qu'est-ce qu'il a foutu le jeu? Rien compris de ce qui se passe. Vraiment là je vais les mettre là. Je vais les poser là, les trucs qui me servent à rien. C'était dans divers. Je sais absolument pas comment c'est arrivé là. Pourquoi il y a des chaussons gauche et droit? J'ai jamais pris ça. Qui a rajouté ça dans mon inventaire de mon vaisseau? Incroyable! Incroyable, incroyable. En plus, c'est arrivé directement dans l'inventaire de mon vaisseau. Comment ça peut être rentré automatiquement dans l'inventaire de mon vaisseau? Je comprends pas. Attends. C'est quoi le truc avec des acides animés que j'avais pas vu, que j'avais pas pu faire la dernière fois? Ça doit être en pharmacologie, tabinarme, spatial. Non mais de toute façon ça me sert à rien puisque je suis déjà au max. Ah c'est vrai que par contre j'ai passé de niveau, j'ai mis la combi spatiale. Attends, je range tout. Enfin, je range tout. Je fais comme si que je rangeais tout. Ok. Cool. Ça, c'est moi qui le garde. Il y avait des trucs dans soins que je voulais ranger. Oui, je vais le mettre là, même si... Des trucs qui rendent juste de la vie, je les stocke. Oh, du pain! Oh, ça permettrait de faire des recettes, ça. Mmh.
moins de ressources pendant 10 minutes. Et bah ça je peux le faire si je vais faire des recherches. Ah tu vois, je peux faire les modes de cast 2. Ah, il me faut des nanotubes stériles. Ah, c'est limite. Ok. C'est limite vraiment. Faut que je fasse la liste de ce que j'ai besoin et que après je regarde quoi. Pour les, par exemple, pour les modes stériles, pour les nanotubes stériles, est-ce que je peux en faire des nanotubes stériles ? Non. Faudrait. Faudrait que genre que j'augmente les. Il y a des recherches pour l'établir. Ah c'est. Je crois que c'est pour ça qu'il me faut aller des acides animés. Aminés. Il m'en faut juste un pour passer au prochain niveau. Je pourrais le faire, hein, comme ça ça serait fait. Quoique en même temps, en vrai, avec. Non, j'en veux juste un. Avec le truc que j'ai vu en 10 minutes, bref. On s'en fout. Je peux juste terminer ça avec un. C'est terminé. Voilà. Bon, médical 2, il me faut plein de trucs. Cœur plus, j'en ai. Pourquoi c'est marqué que j'ai les matériaux disponibles. Bref, il me faut chimie rang 1, on s'en fout. Ça se trouve, pain. Ah non, j'ai pas de viande rouge. Bref. Qu'est-ce que j'ai dit. Ah ouais, les nanotubes stériles, je peux pas en fabriquer, faut que j'en achète. Batterie à positron. Ok. Les câbles zéro, j'en ai et je pourrais largement. Mais alors, les nanotubes stériles. Parce que mode de combinaison 1 et mode de sac 1, ça commence à être intéressant. Hein. Industriel et donc je pouvais pas faire, je sais pas si on peut on peut construire des trucs après, enfin on peut trouver, j'en avais pas, je regarde si j'en avais pas déjà rencontré en fait. Tu vois, parce que j'ai du titane, j'ai presque tout, j'ai juste ce truc là. C'est un peu dommage. Je suis en mode mince, c'est dommage. Ouais, il serait dans cela hein, si j'en avais, et j'en vois vraiment pas. Je sais pas, je sais pas. C'est dommage. Comme c'est un truc mode 2, je pense que c'est un peu plus dur à trouver, mais pas non plus impossible, tu vois. Donc je me dis. Mince. Suivre le projet. Ça fait quoi, suivre le projet ? Je sais pas. Ah, c'est peut-être dans l'émission. Ça fait que ça apparaît dans l'émission. Non. Ok.
Où est-ce que je pourrais trouver du nanotube stérile? Je dirais à Cheyenne. Elle est où? Sur Aquila City. Je sais pas pourquoi. C'est l'idée qui me vient. C'est peut-être pas le cas, hein. C'est peut-être pas ça. Je fais de ces détours, moi. Vraiment. Ça en fait, ça en fait. Comment ça fait chaud dans la pièce en plus. Alors on y tourne et la chaleur à l'extérieur, la chaleur ne baisse pas. Tout le monde, toutes sortes de gens viennent ici. Eh bien... Nanotube stérile, tu vois, il en a. 14. Autant lui prendre tout, hein. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû regarder ce qui me manquait. T'as pas un truc de recherche... De recherche, toi? Non. Non. Bon, pas grave. Sinon, j'aurais regardé là. Et je t'aurais acheté ce qu'il fallait... directement. Parce que là, ça fait un aller-retour pour rien, ça se trouve. Alors, des allers-retours pour rien, aujourd'hui, il y en a eu. Donc, de toute façon, au point où on en est, c'est pas grave. Ça, c'est un trait, mais je sais pas... Je sais pas ce que ça fait. On verra avec la mission, de toute façon... que j'ai actuellement. Ce que ça fait de faire une mission très... Ok, alors. J'aurais dû regarder pour des munitions aussi. Bref, pas grave. Oui, projet. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait? Batterie, positron, ouais, j'aurais dû regarder, tu vois, je suis sûr il en a. Batterie, positron, je suis sûr il en avait aussi. Donc là, faudrait que je refasse un tour. Je peux pas en créer des batteries, positron. Créer beaucoup de choses hein, dans ces trucs là hein. Je suis un peu déçu hein. Peut-être dans les trucs genre comment ça s'appelle, avant-poste, dans les fabrications industrielles, des fabricateurs complexes et des modules de stockage moyen dans vos avant-postes, tu vois, je pense que ça vraiment ça permet de fabriquer plus de choses, mais ça sera pas pour tout de suite. Ingénierie en avant-poste, ok. Par contre, ah oui, je viens de remarquer un truc. Oh merde, non, dans ressources, nanotube stérile, et c'est ça que je veux remettre. Et en vrai, c'est l'inventaire, c'est la caisse de stockage. J'ai juste à faire ça et chercher la petite loupe, en fait. Oh purée, je vais pas y arriver. Stockage, ressources... Ouais, il faut que je regarde si... Il y a des trucs de la loupe, en fait. Tu vois, là, câble 0. Hop. Titane. Hop. Ok, c'est pour m'aider plus facilement à faire comme ça.
tout. Batterie, hop. Il y en avait bien. Titane. Confirmé. Voilà. J'en ai trop là de titane, je pense. Ça permet de voir plus facilement ce que j'ai besoin. Bon, le petit truc bleu pourrait disparaître si on a suffisamment... mais bref. Tout prendre. Je m'en fous, je prends tout. Je me rappelle combien, pas combien il m'en faut, mais... Ah, tu vois, adhésif, tac. Je me rappelais pas qu'il faut aller de l'adhésif. Batterie positron, par contre, j'en ai qu'une et c'est pas qu'une qu'il va falloir. Et là, j'ai déjà regardé. Et donc là... Ah ouais, c'est pas con ça, c'est pas con. Ce truc de dire suivre pour pouvoir avoir tout. Hein. Ah, et batterie à positron, il m'en faut 4. J'en ai qu'une, mais par contre, tout le reste... Je peux le mettre. 4 sur 4, et... Hop là. Tac. Et tac. Et il me manque donc plus que 3 batteries à positron. Ok. Même si là, j'aimerais bien qu'on puisse en suivre plusieurs. Parce que comme ça, je mettrai ça, mais je pense que ça enlève le mode cast. Oh non, ça reste. Trop fort. Ok. Donc là, je peux refaire pareil. Prendre tout ce qu'il y a en bleu. Oh, ça apparaît là. Mais très bien, ça. Ah, ça, je le savais pas. Ok. Oula. Ah oui, j'ai pris beaucoup de... Bref, pas grave. Mais c'est pas grave. Je prends tout. Et de toute façon, je mets après dans le truc. Et il me restera plus qu'il me reste. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Oh, je viens de découvrir un truc là. Ok. Tac. Putain, moi qui cherchais à chaque fois en mode un truc à la fois, en fait, il y avait une solution pour rechercher rapidement ce que j'avais besoin. C'est trop bien, je le découvre bien après. Mais c'est pas grave. Donc, là, c'est mort, j'ai pas ce qu'il faut. Mais là, je confirme que je mets... Ah, tu vois, il m'en manque. Ça, c'est terminé. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi elle a été terminée. Mais elle est terminée, moi ça me va. Je comprends pas. En fait, je comprends pas comment, pourquoi je l'ai validé alors que j'en avais plus dans mon inventaire. Bon, pas grave, j'ai pas tout compris. J'ai pas encore tout compris. Les modes de sac. Est-ce que ça en achète automatiquement ? Les progrès de recherche supplémentaires sera distribué. Oh mince ! Je fais plein de trucs alors que j'ai que j'avais le moins, je sais plus combien. Bon bah pas grave. C'est trop tard, je suis sur la fin de ce que je veux faire. Vas-y. Ok. Et bah ça c'est très bien. Bon, il faut le niveau 2 et tout ça, mais bon, pas grave. Ça, de toute façon, tout est verrouillé. Ça, tout est verrouillé. Robot, en fait, bon, bref. Ah, mais j'ai tout sur moi, là. Bon, si j'ai tout sur moi, je le fais, et puis voilà. Voilà. Comme ça, c'est fait. Verrouillé, verrouillé. Il y a décoration que j'ai pas fait, mais bon. En vrai, les décorations, oh là... Et ça, mais voilà. Bref.
Je peux les suivre. Je pourrais les suivre, comme ça, ça sera bien. Je pourrais les suivre, comme ça. Suivre le projet. Je sais pas combien de projets on peut suivre comme ça. Non, mais ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ouais, cuisine. Je pense que ça, c'est des trucs à haut niveau, ça sert. On verra plus tard. Et décoration aussi. Voilà, pour la blague. Je vais aller reprendre ce qu'il faut en décoration pour la blague et puis basta. Donc, déjà, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai pris. En termes de ressources. Je vais tout ranger. Et puis basta. Tac, pour reprendre après, mais c'est pas grave. Pour reprendre après, mais c'est pas grave. Mince. Ok. Ok. J'ai séparé l'aluminium. Peut-être pas mon meilleur move. Mais en même temps, avec ce que je peux faire maintenant, ce que j'ai découvert maintenant, c'est beaucoup moins grave. Ouais, j'ai encore séparé l'aluminium. Ok. Je sais plus où je l'avais pris l'aluminium en fait. C'est surtout ça. En plus, j'ai consommé forcément des trucs. Donc voilà, bon pas grave. Et voilà, tout est rangé. Et donc maintenant je peux rechercher par rapport à ce que je suis en train de faire. À ce que je suis en train de suivre. Comme ça, quand j'irai chez un marchand, je peux directement dire « Ah bah j'ai besoin de ça ». Ça c'est cool. Je sais pas si j'en ai besoin d'autant comme d'habitude, mais comme à mon habitude, je vais y arriver. Je prends tout et on voit. Ah. Et là, par contre, ça marche pas. Il m'en faut bien un dernier. Ok. Ah, j'ai pu en créer ou le jeu en crée automatiquement, peut-être. C'est peut-être ça. Ça, je pourrais créer de nouveaux trucs, mais bon. Vas-y, c'est pas grave. Je l'ai pas en suivi, mais... Ah, je pourrais, ça se trouve. Je pourrais parce qu'il y a des trucs... voilà. Ça me va ? Ça me va. J'ai pas tout compris pourquoi ça se débloquait automatiquement, mais bon, c'est pas grave. Verrouiller, verrouiller... Tout est verrouillé. Moi, l'important, c'est que tout soit verrouillé. Ok, d'accord. Enfin, à part pour ça. Mais en vrai, celui-là, je peux le finir, hein, je pense. Hein. En vrai, je vais les suivre. Je vais les suivre. Parce que... Oh, attends. Il y avait un truc particulier. Ah, projet en cours. Ok. Parce que ça se trouve, j'ai des trucs sans le savoir de ça. Vraiment, et ça se trouve, je peux déjà le terminer. Tu vois, de l'eau. Ah, des épices, de l'eau, des fibres. Ok. Ah, mais ce nouveau truc, comment ça va m'aider pour... Ça facilite... la recherche, c'est trop cool. Ça, surtout là-dedans, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être utiles. Tu vois, hop, je me rappelais pas que j'avais du fromage. Très bien. Et là-dedans, normalement, il n'y a rien, mais...
comme d'hab. On regarde. Ah oui, l'eau. Et donc, dans les recherches en cours, il n'y a que ça. Ah, dommage. Ok, mais j'aurais pu me faire le... Bon, pas grave. Bon, ça, je pense que... Ah, et puis s'il me manque un... Ouais, mais j'aurais le truc bonus à chaque fois, c'est ça? Ok, moi ça me va. Hop. Hop. Ah. Ah, il me faudra vraiment que je trouve des épices. C'est pas grave, ça veut dire qu'il m'en manque un. Et c'est des épices, on verra chez les marchands ce qu'on arrivera à trouver. Donc là, en transfert... Comme d'habitude, j'enlève surtout ce qui ne rend que de la vie. Tu vois, comme ça. Mince, attends, je suis où là? Oui, je suis dans mon inventaire. Ok, et eux, je vais les remplir de ressources. Tiens. Pourquoi c'est bleu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que je les recherche, mais je les ai plus? Non, bizarre. Je vais tout rentrer parce qu'il y a des trucs qui me servent à rien. Mais je sais pas pourquoi il y a des trucs... Je vais reprendre vraiment que les trucs bleus. Pourquoi ça m'en a redonné? Ah, parce que même s'il me manque qu'un truc, il me montre tous les tout ce que j'ai, même ce que j'ai validé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Mais là, de toute façon, ce sera une question de marchand. C'est pas une question pour moi. Hop. Tac. Ressources. Hop là. Ok, et donc là il me reste plus qu'une épice, mais par contre j'ai fait toutes les recherches de mode. On est d'accord. Toutes les recherches de mode d'équipement. Mode de casse 2, mode de casse 1. Et je sais qu'il y avait peut-être des modes intéressants. Donc, faut que je sorte la marque 1 et que je voie si je peux pas lui mettre des trucs intéressants. Ah, hop là. Lui furtif immobile, c'est ultra intéressant, mais bref. Ok. Voyons voir. S'il y a des trucs qui commencent à être intéressants. Réserve d'oxygène, ouais. Ouais, c'est en mode sac 2 qui a des trucs intéressants. Hein. Ok. Okay, c'est intéressant, mais pareil, c'est à partir du 2 qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Là, en 1, c'est juste un réservoir d'oxygène, en vrai. Ok.
Ah, mais il faut que je le fasse quand même, je suis bête. Non, mais je suis bête. C'est pas le problème, en fait. En vrai, c'est pas le problème. Est-ce qu'il y a le suivre comme les autres trucs? Ah ouais, cool. Kit de soin, ok. Et pour tous les trucs ou pas? Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte d'un truc bête. Mais... faut que j'en fasse 5. Faut que je fasse 5 modes. Donc là, si je fais cela, ça en fait 2. Protection balistique, ça peut toujours être utile en vrai. J'ai pas besoin. Ah, mode casse 1. Bah non, en fait, la protection balistique, je préfère. Ils ont quand même. Les gens que j'utilise, que je combats, ont surtout de. Des balles, donc. Ah, je peux mettre soit le détecteur. Ok. Oh, oui, ça, je m'en fous. En vrai, ça, c'est pas grave. Par contre, ça, ça peut être bien. Je peux le mettre? Non, je peux pas le mettre. Donc, ça sert à rien. Ok. Et là, j'en ai sélectionné que 3. Que 2. Donc, je suis à 4. Si je l'ai fait. Et là, combinaison... marque 1 de la protection balistique ou alors de l'énergie et de l'électromagnétique. On va garder sur de la balistique, ça sera très bien. Réduit le coût en oxygène du sprint, je peux pas le faire tout de suite. Ah, mode de combinaison, j'ai pas encore les niveaux 2, d'accord. Ah mais attends, ça veut dire que pour celui là ah si, oui, si je peux le faire pareil. Ok, ça, c'est pas encore là. Mais attends, pour le casque, alors, les trucs que j'ai demandé, là... Si, 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 je peux les faire. Attends, je peux les faire? Oui, je peux les faire, c'est marqué 100%, ok. Ok, donc là, je fais comme d'habitude, je reprends ce que j'ai besoin... Ah mince, ça va me faire reprendre les aromates et tout ça. Pas grave, je sais que j'en ai... C'est pas un problème. Je les remettrai et puis voilà. Ouh, il va me manquer plein de trucs. J'ai l'impression. Ok. Du titane. Ok. Ah, attention. Je suis à combien de... 128 sur 180. Mais après, c'est pas grave, parce que je vais pouvoir mettre dans le vaisseau, et puis basta. Alors, voyons voir. Est-ce que j'avais un projet en cours ici? Non. Le casque, j'ai dit que j'avais pas... attends. Ah, si, j'avais dit que... Mais j'ai pas de réservoir magnétique. Ah, mais attends, le réservoir magnétique, ça se... Ça se crée. Cuivre, aluminium. Ok. Et nickel, aluminium. Ok. Faut que je regarde pour prendre le cuivre et l'aluminium. Par contre, ça, j'ai... Ouais. J'avais pas mis de l'aluminium ici. Persuadé d'avoir mis de l'aluminium ici. Ah, tu vois. Par contre, j'ai plus de cuivre, j'ai l'impression. Si, j'ai encore 32 cuivre, ok. Jauge réactive, je sais pas combien j'en ai besoin. J'ai pas regardé. Je peux en construire pas mal. Donc je vais en construire 3. Je pense que 3 ça suffira. La plupart du temps c'est 3 ou 4.
J'en construire 3. Si ça se trouve, j'en avais déjà en plus. Et ça, ah, ça c'est le piège. J'ai envie d'en construire 5, mais après j'aurais plus de nickel. Pas grave. Je fais ça. Voilà. Et je prends ce risque. J'ai dit le sac... Si, le réserve d'oxygène au moins que je faisais. Ok. Non, par contre, là... Ah, si, le kit de soins. Ah, mais j'ai pas d'analgésique. Attends, j'ai pas d'analgésique ? Je pensais que j'en avais. J'ai pas d'analgésique. Ok, d'accord. Tac. Donc, dans le casque, est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire dès le début ? J'ai plus de nickel, évidemment. Je peux pas le faire. Et j'ai plus d'adhésif. Ok, ok. Donc, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah, je peux faire la protection balistique par contre. Ok. Ok, alors, pour l'instant, mon objectif. Non, j'avais mis l'aluminium, je sais pas, je crois qu'il était dans la dernière partie. Donc ce que je vais faire, tu vois, dans en soins, kit de soins, blablabla, j'ai rien en... Par contre, non, en divers, j'ai rien en... Par contre, en ressources, tout ce qui n'est pas avec une petite... tout ce qui n'est pas avec une petite encoche bleue, je le rends. Pour éviter de me perdre. Ça, ça, les fibres, ça peut rentrer. La jauge réactive, bon, bah, j'en ai suffisamment utilisé, visiblement. Et le réservoir magnétique, j'en avais pas besoin d'autant. Le conteneur est à son maximum, c'est triste. C'était lequel ? C'était celui-là. Hop là. Tac, ressources. Hop là, voilà. Donc ça, je garde. Le reste, je garde. Je vais aller le mettre dans le vaisseau. Pour pas que ça me perturbe. Et après... J'adore. J'adore ce qui est en train de se passer. J'ai fait... J'apprends. Comme ça, au moins, ça me permet d'apprendre. Parce qu'après, comme j'aurais fait les modes... Les modes combinaison spatiale. Hop là. Ça sera déjà ça. Bim. Ok. Transférer. Et par contre là, je vais transférer toutes les ressources que j'ai sur moi. Pour éviter que ça soit trop lourd. Voilà. Waouh. Pourquoi je suis à 79 ? C'est normal. J'ai plusieurs casques. J'ai le marque 1 et tout ça sur moi. Ça, je le garde sur moi, c'est pas un problème, c'est pour moi. Ok, maintenant. En vrai, je pense que je vais aller tout simplement à Alpha du Centaure. Parce que... Quartier commercial, Atheria. Voilà. Tout simplement parce que ça va me permettre, je pense que c'est eux qui ont le plus gros choix généraliste, quoi. Oh, oh, c'est mauvais ça. Ah non, c'est bon. C'est eux qui ont le plus gros choix généraliste. Et donc, peut-être qu'ils auront tout ce que j'ai besoin. Sachant que j'ai pas noté ce que j'ai besoin. Donc en vrai, je sais pas.
Je vais faire aussi Aquila City. Si vous rencontrez des problèmes avec le centre de district, parce qu'il a quand même, il a quand même pas mal de choses. Oh, bien entendu. C'est surtout en ressources. Adhésifs, par exemple, je sais plus si j'en ai assez ou pas. Analgésique. Ah oui, j'en avais besoin pour l'autre truc là. Cosmétique, par exemple, je pense que j'en ai assez. Parce que comme ça montre tout. Bon, tant que c'est pas cher, en vrai, m'en fous. Ah, du nickel. Nickel. En vrai. Parce que effectivement, j'en avais besoin. Oh, des épices. Ah, elle attend. Attends. Les épices, c'est ce qui me manquait ou... Je crois. Hein. Je crois que les épices, c'est ce qui me manquait. Je pense que j'ai tout fait d'un coup. On vous accueillera toujours avec plaisir. Merde. Tant que ça ne vous dérange pas d'attendre. J'ai limite quand même envie de faire un petit passage à Aquila City, histoire de. Mais en vrai, c'est loin. Moi, je peux même pas aller à Aquila City en direct. Est-ce que je peux y aller en direct? Vas-y, j'y vais en direct. Si on peut y aller en vite direct, tant mieux. Putain, il est déjà cette heure-là? Ça passe trop vite, ça passe trop vite. J'ai fait trop d'allers-retours, trop de trucs. Mais j'ai appris trop de trucs, là. Aujourd'hui, en vrai, avec les apports et les recherches, j'ai appris trop de trucs. Ça va... Ça, c'est le genre de truc, c'est vraiment le genre de passage qui est un peu fastidieux. Et une fois que t'as tout compris, ça déroule un peu plus vite. Bon, après, tu peux regarder des tutos sur Internet et... Et tu te retrouves à pas avoir fait tous ces allers-retours, mais c'est vous qui avez au moins tu découvres, ça te crée une histoire, blablabla. Bla bla. Bref, toi-même tu sais. Toutes sortes de gens viennent ici. Jetez donc un œil. Alcan, en vrai, ça ne coûte rien d'en reprendre. Des analgésiques, ça me coûte rien d'en reprendre. Ah, ouais, vas-y, comme ça j'en aurai. Pareil, ça c'est des trucs, j'ai l'impression que ça va me resservir à un moment donné. Du nickel, t'en as que 9, c'est dommage. Tu vois, faire un petit tour vers lui, des épices. Est-ce que je vais en avoir besoin des épices? Pour le prix que ça coûte, en vrai. C'est con de se priver. Allez, direction la maison. Direction la maison maintenant. Hop là. Parce que je pense que j'ai tout. Et si j'ai pas tout, bah c'est triste. Faut que je retourne dans le vaisseau par contre. Parce que j'ai plein de... J'ai laissé histoire de pas l'avoir sur moi pour pouvoir acheter sans problème. Mais maintenant il faut que je les récupère. Et j'atterris et je vois jamais mon vaisseau. Voilà. Là. Voilà. Transférer. Et là, je reprends tout ce qui est bleu. Voilà. Et je peux plus courir parce que tout va m'épuiser. Voilà. L'enfer. Mais bon. Là, avec ce que j'ai découvert, en vrai, je vais pouvoir... gagner un temps fond sur les prochains trucs que je voudrais faire. Parce que à chaque fois que je voudrais faire un projet, j'aurai tout de suite ce qu'il faut. Je le verrai vite. Je le suivrai bien. Pourquoi il y a... Ouais, non. Pas très envie de me fight avec la faune locale de ma maison. Donc étonnamment,
J'ai peut-être ce qu'il faut pour finir un projet de recherche aussi. Mixologie. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Yes, bah ouais. Voilà. Mixologie, c'est fait. Je pourrais créer d'autres trucs, bref. On s'en fout. Bah les couilles. Ce sera pour quand j'aurai vraiment besoin de créer des trucs. Et ici, alors. Il y avait un truc qui m'intéressait? Oui. Je voulais au moins le premier de ça. Voilà, de toute façon après je pourrais changer. 3 sur 5, c'est très bien. En casque. Protection balistique. 4 sur 5, c'est trop bien. Massement de blindage anti-explosion. Et bah ça fait 5 sur 5 ça. Très bien. Et les autres trucs, ça sera pour plus tard. Et dans la combinaison, est-ce qu'il y avait des trucs que je voulais mettre? Eh ben, je peux pas. Je peux pas. Ok. Attends. Ah oui, j'avais déjà mis la protection balistique. Je peux pas mettre ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, va falloir faire des choix. Déjà, va falloir ranger. Voilà. Faut que je regarde si j'ai des trucs en soins à ranger. Non. Non. Ok. Donc, en ressources. Parce qu'en vrai, bon. C'est juste ça. Hein. Là. Ultra simple. Tac. Ok. Hop. D'accord. Tac. T. Ok. Hop. Ok. Voilà. Et normalement, c'est tout bon. Je suis à 80. Ah oui, normal, je suis à 80. Donc, maintenant, il va falloir faire des choix. C'est l'heure des choix. En termes de casque. Mince, non, en termes d'armes, c'est bon. En termes de tenue, par exemple. Parce que elle fait 25% de résistance, mécanisme de charge. Plus 40 de charge. Ce qui n'est pas rien. Mais après, elle, bah là, maintenant, elle a de la protection balistique et elle résiste. Voilà, on est au double, hein. On est pratiquement au double sur tout. À part sur l'atmosphérique. Et à la fois, elle a l'air ultra puissante, à la fois sur le. Elle est bien sur ses bonus, mais. Physique et 20, plus 100 max, ok. Plus votre santé est faible, plus votre résistance physique et votre résistance à l'énergie augmente de 100, ok. Mais j'ai envie de dire, sur le long terme, est-ce que ça va suffire? Elle est ultra cool, mais est-ce que ça va suffire sur le long terme en termes de stats purs, quoi? C'est ça le problème. Je vais la mettre. Je vais tenter d'être avec celle-là, et si j'ai l'impression que je meurs plus facilement, des trucs comme ça, je changerai. Celui-là, c'est dommage, hein. Celui-là, il faudrait que je l'ai constamment dans le vaisseau pour pouvoir le prendre quand je veux, sur les missions, ou sur les vols surtout, parce que tout à l'heure, on l'a bien vu, hein, quand je suis revenu. Mais voilà, quoi, 66, 49, énergie, bref, voilà. Réserve d'oxygène, médecine, jetpack. Allez, vas-y. Ok. Et je vais juste le mettre. Ça, c'est trop fort. Les ressources pèsent 25% de moins. Et
Il avait protection balistique aussi. Hein. En vrai, je vais le mettre. En vrai, c'est des trucs... J'hésite. J'hésite vraiment à les changer. Je pourrais les augmenter. Parce qu'en vrai... Attends. Je peux pas augmenter leur stat pur. Par exemple, du... Un truc que j'aimerais bien garder. J'aimerais bien garder. La combinaison de minage. Ouais, je peux lui rajouter. Hein. Je peux lui rajouter ce qu'a elle, mais en physique, je l'augmenterai pas en fait. Ouais, protection lourde, j'arriverai à 79. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Hein. Parce que ces bonus sont bien, mais ces stats purs, au bout d'un moment, vont devenir un poids. Bon, après, par contre, je l'abandonne pas. Si je vois que vraiment c'est la galère sans elle, parce que plus 40 de charge maximale. Hein. Lui, c'est pareil. Le camélon, il m'a quand même sorti bien des problèmes. Lui, je me rends pas compte à quel point il peut être. Bref. Ça fait que j'ai 62 sur 140. Hein. Je peux plus trop transporter de trucs, hein. C'est un peu triste. C'est quand même les 42 charges, comment ils sont utiles. Quand je vois que là... Bah, je porte pas des trucs ultra lourds, et pourtant, je suis à 60. Je suis à la moitié de ma charge. Je peux prendre que la moitié. En même temps, l'argent, c'est plus trop un problème, en vrai. Sans être méchant. L'argent, c'est plus trop un problème. Je sais comment en faire à peu près rapidement. Ou je sais sélectionner ce que j'ai besoin. De toute façon, faudra que j'exfiltre surtout les trucs genre la contrebande et tout ça, surtout. Ok, on reste sur ça. On va voir si j'ai plus de facilité, plus de mal. De toute façon, je les ai pas perdus, les autres trucs. Donc, c'est tout bon. Tac, tac. Ok. On va aller donner les preuves. C'est ça à la base que je devais faire, hein, quand même. On s'est perdu dans des considérations autres. Faut s'amarrer au vaisseau. Amarrons-nous au vaisseau. Ouh. Ok. Le vigilance. Voilà. La petite cinématique. En plus, avec cette combinaison, elle est un peu plus classe que l'autre. C'est l'autre, elle est légendaire. Oh, les 40... Vrai, les 40, il faut manquer. Tiens, j'ai pas monté de niveau avec tout ce que j'ai fait, là. J'y pense même pas. Il manque ça et ça. Quand je vais mettre ça aussi, je vais devoir aussi faire tous les trucs d'armes et tout ça. Je vais peut-être devoir acheter des armes. Pour pouvoir les monter, pour pouvoir... Tac, tac. Bref. Parfois, on utilise les chasseurs à... C'est bon de vous revoir. Ravi de l'entendre. Montrez-moi ce que vous avez. Hop. Alors, Monsieur Yasuo est en réalité Léonel Soto. Nous pensions que Soto était mort. Du moins, c'est ce que les rapports indiquent. Je vais les mettre à jour. Mais étant donné que Monsieur Yasuo est protégé par la flotte écarlate, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Pour l'instant. D'autres fragments ? Pas du tout. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Je sais qu'il y a forcément d'autres choses ailleurs, alors ouvrez l'œil. Nous serons là si besoin. Ok. Alors, bim. Et donc maintenant, c'est celui-là que je veux faire. Hop. Mais ça, je vais pas le faire ce soir. Je vais juste retourner là-bas. Voilà.
On va atterrir. C'est ici hein, qu'il faut que j'atterrisse. Hein. Ouais. Pourquoi je ça veut pas mettre le cap? Ah purée. Parce que je suis trop loin de ma bla bla bla. Même Cheyenne, je peux pas. Si, attends, si je me téléporte directement sur Aquila City. Hop, tac. Ah, mince, trop loin. Même mettre le cap, c'est compliqué. Ok. Olympus. Son Olympus, c'est un peu le... Quoi, même ça? Quoi? Même Olympus? Wow. Triste. Je peux aller ici? Ah mais non! C'est pas ça le problème! C'est pas ça le problème! Je parie que les opérations... Je suis amarré, on peut pas faire de trucs rapides si je suis amarré. Oh putain, j'ai eu peur. Je me disais à un moment donné, il y avait un truc qui allait pas, mais c'est bon. Oh, le petit fail de fin de live là. Incroyable. Ok, ça c'est bon. Là. Est-ce que je peux aller directement cette fois-ci? Je pense pas, mais on verra. On tente. On tente le coup pour le... On tente le tout pour le tout. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Cette fois, je vais aller à Olympus en mode sauter. Ouh. Et c'est parti. Voilà. Et là, est-ce que je peux y aller? Non. Ils vont m'obliger à aller au truc à côté. Attends. Ouais. Bon, pas grave. C'est normal, hein. C'est normal, c'est normal. C'est le principe. Ok. Et cette fois, on va pouvoir atterrir tranquillement ici. Et voilà. Et je vais pouvoir avoir... Ouh! Voilà. Allez, on redescend. Bif, paf, bouf. On va pouvoir sauvegarder. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain après-midi. Il n'y aura pas de live, je pense, demain matin. Donc, à demain après-midi. Bye bye.